Bonjour, donc bienvenue à cette deuxième journée de colloque. Donc juste une petite information pour ceux qui sont intervenants ou donc pour la journée, puisqu'hier j'avais pas trop donné d'indications. Donc le déjeuner de ce midi se fera en dessous ici, vous n'aurez pas à bouger. Et vous êtes donc conviés au dîner ce soir. On ira comme hier, je récupérerai à 20h15 pour aller dîner. Voilà. Donc maintenant, désolé pour aller. Et donc, c'est Christophe qui fait la présidence de séance ce matin. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'ouvrir cette deuxième journée de ce colloque sur Montesquieu et la fiction. Et alors... Aujourd'hui, bon, comme vous le savez, il y a eu forcément quelques défections avec la situation sanitaire, donc il y aura un déroulé de session qui se produira de la manière suivante. Donc, Aurélia Gaillard va lire dans un instant la communication de Pauline Cra. Ensuite, nous entendrons en présence Fabrice Chassot qui est là, nous écouterons et verrons, hein, je crois, l'enregistrement de la communication de Philip Stewart. Et je dis verrons parce qu'apparemment il y a un enregistrement aussi vidéo. Et pour finir, nous clôturerons donc cette matinée avec l'intervention de François Gevrey. Et donc pour commencer, donc Pauline Cra, dont le texte sur les sérails dans les lettres persanes va être lu par Aurélia Gaillard. Je rappelle très rapidement qu'elle est professeure émérite à Yeshiva University à New York, qu'elle a participé à l'édition des œuvres complètes de Montesquieu dans le volume des œuvres persanes, et qu'elle est connue pour avoir de nombreuses publications sur les lettres persanes, et notamment un article ancien et fondateur sur la chaîne invisible paru au Svec en 1963, de nombreux articles sur en particulier la religion et le harem chez Montesquieu dans les lettres persanes. Voilà. Merci. Donc je lis la communication. Donc les sérails dans les lettres persanes. Les sérails ont un rôle essentiel dans les lettres persanes. Il y a plusieurs sérails, en plus du sérail principal d'Usbek à Ispahan, le sérail des femmes en voyage, le sérail où le premier eunuque avait appris l'art de gouverner, un sérail mentionné dans le conte d'Aphéridon et d'Astarté, et plusieurs sérails décrits dans la lettre 141 envoyée par Rika à Usbek. Le sérail de Zuléma, celui d'Ibrahim le jaloux, celui d'Anaïs où 50 hommes sont gardés pour ses plaisirs, et le sérail d'Ibrahim transformé par l'envoyé céleste. La destruction du sérail d'Usbek est chronologiquement parallèle à la crise de la régence et elle est suivie du conte d'Ibrahim et d'Ananis dans la lettre 141. L'objet de cette communication sera d'étudier le fonctionnement du sérail, d'examiner le parallèle entre les eunuques et les ministres et de dégager les rapports entre le roman d'Usbek et celui d'Ibrahim dans le contexte des lettres sur les femmes, la polygamie et la politique de la monarchie. Montesquieu emploie le sérail d'Usbek pour analyser le fonctionnement d'un régime autoritaire basé sur la crainte et la déception. La première lettre d'Usbek à l'eunuque introduit la tyrannie, l'esclavage, les faux prétextes, la délégation du pouvoir, l'humiliation des femmes et la dissimulation inhérente au système. Dans le contexte d'une comparaison de la société française avec la persane, Rika affirme que la dissimulation est un art généralement pratiqué et nécessaire en Perse. On, je cite, « n'y voit point les gens tels qu'ils sont, mais tels qu'on les oblige d'être. Dans cette servitude du cœur et de l'esprit, on n'entend que la crainte qui n'a qu'un langage. » L'eunuque écrit que dans un sérail bien réglé, le chef lisait les pensées des femmes et, je cite, « leur dissimulation, leurs gestes étudiés, leurs visages fins ne lui dérobaient rien. » Lettre 64. Tout le monde pratique la dissimulation dans les lettres du sérail jusqu'à la révolte finale. Écrivant à l'eunuque, Usbek affirme son amour pour les femmes et sa confiance en leur sécurité, mais dans les lettres à son ami, il avoue qu'il ne les aime pas, qu'il n'est motivé que par la jalousie et qu'il n'a que des âmes lâches pour les garder. Lettres 6 et 27. Les femmes prétendent croire à l'idéologie du sérail. Elles écrivent des lettres pleines d'ironie et de dissimulation où elles expriment les sentiments qu'on attend d'elles comme objet de plaisir. Avec ironie exquise, Fatmé affirme que bien qu'Usbek soit le seul homme qu'elle ait jamais vu, elle est sûre qu'il est le seul dans le monde qui mérite d'être aimé. La lettre d'Usbek à Roxane, « Que vous êtes heureuse, Roxane », est un effort pour asservir l'esprit de la jeune femme.
Il lui dit ce qu'elle doit sentir et ce qu'elle doit penser de ses propres actions. Il y a une analogie entre cette lettre et la première lettre de Paris sur les deux magiciens. Usbek cherche à maîtriser l'esprit de Roxane comme le roi et le pape dominent l'esprit de leur sujet. Il faut attendre la fin, la fin du roman pour savoir l'effet de la lettre d'Usbek sur Roxane. Mais quant au roi, Rika nous apprend dès le début que malgré ses efforts pour assujettir les esprits, il est entouré d'ennemis invisibles et qu'il aura le chagrin de mourir sans les avoir trouvés. Les lettres d'Usbek à Zaki et à l'eunuque blanc montrent la sévérité des règles basées sur des soupçons exagérés et la cruauté des menaces et des punitions pour les renforcer. La déception est réciproque dans le sérail. Usbek invoque son amour pour les femmes, même dans les lettres les plus méprisantes et pleines de menaces. Les seules lettres de sérail « sincères » entre guillemets, sont celles échangées par les eunuques. Montesquieu décrit les eunuques comme des hommes qui souffrent et leur caractère comme le résultat de leur destinée. Rika fait une critique sévère de l'autorité des eunuques dans la famille, mais seulement à l'intérieur d'une insertion attribuée à un Européen, lettre 34. Le projet avorté de faire un nouvel eunuque montre que le sérail est un lieu d'intrigue de terrible vengeance. Usbek, maître absolu de la vie et de la mort de ses esclaves, exerce la clémence lorsqu'il n'est pas motivé par la jalousie, lettres 41, 42 et 43. Dans une de ses lettres, Zélie soulève la question de la virginité. Elle raconte qu'un jeune marié a mutilé et renvoyé sa femme sous prétexte qu'elle n'était pas vierge, lettre 70. Usbek répond qu'il n'y a pas de preuve certaine de virginité, bien qu'elle soit établie dans les livres sacrés. Il souhaite pour sa fille que son mari la trouve aussi pure que Fatima et, je cite, qu'elle ait 10 eunuques pour la garder, lettre 71. La mention de Fatima rappelle la Vierge qui a mis au monde 12 prophètes, citation, évoquée dans la première lettre des lettres persanes. La chronologie des 15 dernières lettres du sérail est importante parce qu'elle suggère le rapport entre la conclusion du roman et l'histoire de la régence. Si on regarde les dernières lettres selon leur date, le désastre précipité par les eunuques est parallèle au bouleversement causé par l'inefficacité et par la corruption des ministres. Parmi les lettres de la même époque, l'oppression des femmes dans le sérail est alternée avec la description de la misère du peuple français causée par les guerres et les libéralités envers les courtisans, lettre 122 du 23 novembre 1718 et lettre 124 du 1er décembre 1718. Le désordre dans le sérail est rapporté pour la première fois par le grand eunuque dans sa lettre de 1714, lettre 64. Il annonce que la guerre et la division règnent entre les femmes et il expose la méthode de gouverner un sérail selon les maximes d'un empire absolu. La confusion s'aggrave dans le sérail à cause de la mort du premier eunuque et de la perte de lettres, lettre 144 du 5 juillet 1718, lettre 150 du 25 décembre 1718. À la même époque, Rika introduit le thème du rôle du ministre auprès du prince, lettre 127 du 25 avril 1719. Je cite « Je ne sais comment il arrive qu'il n'y a presque jamais de prince si méchant que son ministre ne le soit encore davantage. Il le flatte par ses conseils, par les desseins qu'il lui inspire et par les maximes qu'il lui propose. Un prince a des passions, le ministre les remue. » L'opinion de Rika sur le ministre s'applique aussi aux eunuques. Solim exprime des soupçons pour inquiéter le maître et gagner du pouvoir. Lettre 151. Le vieil eunuque Narsit, au contraire, assure Usbek de l'obéissance et de la fidélité de ses femmes pour calmer le maître et garder son poste. Lettre 152. Usbek réagit en déléguant le pouvoir à Solim avec des ordres violents et des menaces terribles dirigées vers ses femmes. Lettre 153-154. Au milieu de la crise au sérail, Rika écrit sur l'instabilité des ministres et des finances en France, lettre 138 du 1er janvier 1720. Je cite « Les ministres se succèdent et se détruisent ici comme les saisons, sans résoudre les problèmes. » John Law, ou Lass, hein, selon la prononciation que vous souhaitez, écossaise ou anglaise, a renversé les fortunes et semé le désordre dans les classes sociales. La lettre finale, 146 du 11 novembre 1720, sur la démoralisation causée par le système de l'eau, commence et finit par l'accusation du ministre d'avoir ruiné et corrompu la nation par son mauvais exemple.
La lettre 141 est un projet de réforme que Rika envoie à Usbek pour sauver son sérail. Usbek n'en profite pas parce que cette lettre, qui porte la date du 26 juillet 1720, arrive trop tard. Usbek avait envoyé des ordres violents à Narsit en décembre 1718. Il avait écrit ses dernières lettres à Solim, à ses femmes et à son ami Nessir en octobre 1719. La révolte au sérail est communiquée dans les lettres de mars et de mai 1720. Par conséquent, la date de la lettre de Rika est postérieure aux événements. La lettre est remarquable par sa complexité, avec 5 niveaux d'emboîtement et plusieurs images de sérail dans ce monde et dans la vie à venir. Le premier niveau montre le contraste entre la façon dont les hommes et les femmes regardent le sérail. Rika est présenté à une belle dame de la cour qu'il trouve digne d'occuper, c'est une citation, un rang auguste, dans le sérail du monarque persan. Elle, au contraire, je cite, « trouvait de la répugnance à voir un homme partagé entre 10 ou 12 femmes. Elle ne put voir sans envie le bonheur de l'un et sans pitié la condition des autres. » Les sentiments de la dame introduisent le thème de la solidarité des femmes. Elle s'intéresse aux mœurs persanes, elle aime la lecture des poètes et des romans et elle demande à Rika de lui faire traduire un roman persan. Rika envoie à la dame et à Usbek un roman travesti, comme les lettres persanes sont travesties par l'auteur. Dans le roman de Rika, Zulema, une femme savante qui connaissait par cœur toutes les écritures et comprenait tous les commentaires, préside à une réunion de femmes dans une salle du sérail. Zulema ressemble à Rika par sa façon enjouée d'instruire ceux à qui elle parlait. Un jour, on discute un sujet que Rika avait traité dans sa première lettre de Paris, la lettre 24. Une des femmes demande à Zulema si elle croit que le paradis n'est fait que pour les hommes. Zulema répond que c'est une des opinions dont on se sert pour dégrader les femmes et que les juifs soutiennent même l'autorité de leur livre sacré que les femmes n'ont point d'âme. Zulema reprend ainsi le thème de l'humiliation religieuse des femmes que Rika a introduit dans sa première lettre de Paris où il rapporte que le pape a publié la bulle Unigenitus qui défend aux femmes la lecture de la Bible. Il trouve que le pape raisonne bien car puisque les femmes n'entreront point dans le paradis, elles n'ont pas besoin de lire un livre qui en montre le chemin. Ce sont les femmes qui, outragées par l'insulte, mènent la révolte qui divise toute la cour, tout le royaume et toutes les familles. Zulema promet à ses compagnes que les femmes qui auront bien vécu auront des récompenses égales à celles des hommes. Elles recevront, comme les hommes, des sérails pleins d'esclaves pour leur plaisir et des eunuques fidèles pour les garder. Dans le conte arabe, raconté par Zulema à ses camarades, un homme tyrannique et jaloux, nommé Ibrahim, avait un sérail de 12 femmes extrêmement belles qu'il traitait d'une manière très dure. Je cite, « Il les tenait presque toujours sous la clé, enfermées dans leur chambre, sans qu'elles puissent se voir ni se parler, car il était même jaloux d'une amitié innocente. Jamais il ne fit le moindre signe qui n'ajoutât quelque chose à la dureté de leur esclavage. » Le sérail d'Uzbek, géré par le nuque, ressemble vers la fin à celui du tyrannique Ibrahim. Anaïs, une femme d'Ibrahim, plus courageuse que les autres, osa lui dire que ces femmes sont si malheureuses qu'elles ne peuvent s'empêcher de désirer un changement. Au lieu de s'apitoyer, Ibrahim lui plongea le poignard dans le sein. En mourant, Anaïs promit la vengeance à ses compagnes. Après 8 jours de plaisirs intenses et variés en compagnie d'hommes gardés dans son sérail, Anaïs prend la retraite pour réfléchir. Montesquieu insiste sur l'esprit philosophe de cette femme qui, dans la solitude imposée par son mari, avait passé presque toute sa vie à méditer. Pour secourir les femmes d'Ibrahim, elle envoie un homme céleste pour le remplacer. Le nouveau régime instauré dans le sérail est un plan de réforme conçu par une femme philosophe dans sa retraite et réalisé selon ses instructions. L'autorité dans le sérail est soumise à l'approbation des femmes. C'est une république où le pouvoir du maître dépend du choix des sujets. Sous le nouveau régime, il n'y a pas d'eunuques et les femmes sont plus libres même que celles de Livourne. Je cite, « Le nouveau maître rendit sa maison accessible à tout le monde. Il ne voulut pas même souffrir que ces femmes se voilassent. C'était une chose singulière de les voir dans les festins parmi les hommes aussi libres qu'eux. Il dissipa les biens du jaloux et après 3 ans, il laissa les femmes avec 36 enfants. » La réforme dans le sérail d'Ibrahim est une alternative à la destruction du sérail d'Uzbek qui dura aussi 3 ans. L'intelligence des 3 femmes dans le roman de Rika renvoie à l'opinion du philosophe Galan qui déclare « L'empire que nous avons sur elle est une véritable tyrannie.
Nous employons toutes sortes de moyens pour leur abattre le courage. Les forces seraient égales si l'éducation l'était aussi. C'est dans la lettre 38, une allusion à Poulain de la Barre. Par sa date, donc, conclusion, le 26 juillet 1720, et sa place dans l'ouvrage, la lettre 141, est liée aussi à l'histoire de la Régence, traitée dans les lettres 140 et 142. La lettre 140 annonce l'exil du Parlement de Paris à Pontoise, qui a eu lieu le 20 juillet. Le rôle des parlements est décrit sous une forme semblable à la remontrance courageuse d'Anaïs, je cite, « C'est un pesant fardeau, mon cher Usbek, que celui de la vérité, lorsqu'il faut la porter jusqu'aux princes. Ils doivent bien penser que ceux qui s'y déterminent y sont contraints et qu'ils ne se résoudraient jamais à faire des démarches si tristes et si affligeantes pour ceux qui les font, s'ils n'y étaient forcés par leur devoir, leur respect et même leur amour. » Lettre 140. Anaïs avait déclaré que les femmes étaient si malheureuses qu'elles ne pouvaient pas s'empêcher de désirer un changement. Usbek s'était présenté lui-même comme porteur de vérité au pied du prince. La lettre 142 contient une transposition satirique du déroulement du système de l'eau sous la forme d'un fragment d'un ancien mythologiste. En conclusion, on peut voir un parallèle entre le roman des lettres persanes qui est arrivé trop tard pour changer le cours des événements qui ont précipité la crise de la Régence et le conte arabe qui n'empêche pas la révolte tragique dans le sérail d'Usbek. Le roman de Rica est un échec comme projet de réforme envoyé à Usbek, mais il est une prophétie de la libération à venir. On pourrait aussi poser la question de savoir si par le double échec Montesquieu a voulu exprimer le regret que son roman publié en 1721 arrive à trop tard pour prévenir les événements de 1720. Je vous remercie. Bien, merci à Aurélia Gaillard de nous avoir lu la communication de Pauline Krah. Nous allons rester dans ces thématiques, puisque l'intervention suivante porte sur les lettres persanes, les voix de femmes et troubles dans la fiction. Je demanderai à Fabrice si son titre a changé, mais d'abord, oui, tu peux répondre. C'est un peu une pochette surprise. Ah, d'accord, bah alors. Je parlerai des voix de femmes, mais des voix de sur femmes. Le roman du Sérail. Ouais. D'accord, mais juste deux mots de présentation d'abord. Donc Fabrice Chassot est maître de conférence en littérature du XVIIIe siècle à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Il est spécialiste du dialogue d'idées en particulier, du dialogue de vulgarisation scientifique et plus généralement des rapports entre philosophie et littérature. Au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières. En fait, ma question est la suivante, c'est à quel type de fiction avons-nous affaire dans le roman du Sérail ? Et je fais le pari de l'étudier comme un vrai roman dans lequel les personnages sont le foyer d'une expérience concrète du pouvoir où le romanesque tient à la confrontation de l'acteur et du système. Voilà, c'est un peu ma thèse. Qui est partie d'une question qui en, du coup, fait écho à la communication de Pauline Krah, c'est-à-dire, moi, je fais le choix d'étudier le roman du Sérail comme un ensemble clos, et pas en rapport avec le reste de l'œuvre. C'est un choix. Hein. Et par ailleurs, je considère aussi que les femmes sont de véritables personnages, et je sais que ce n'est pas un choix qui va de soi. Alors, ma communication est partie de cette question, c'est en recherchant les liens entre roman et philosophie dans les lettres persanes, je me demande si on n'a pas orwellisé, au sens de George Orwell et de 1984, si on n'a donc pas orwellisé le roman du Sérail et masqué ce qui faisait son romanesque propre. En d'autres termes, plus concrets, est-ce qu'on ne rate pas le romanesque du Sérail en l'identifiant à une figuration du despotisme ? Même si, bien sûr, cette grille de lecture a produit des analyses puissantes, remarquables et décisives, je ne le nie absolument pas, bien au contraire. Alors, il y a deux indices qui me suggèrent qu'on ne peut pas rabattre, évidemment, on ne peut pas allégoriser le roman du Sérail totalement, en tout cas. D'abord, le Sérail fait l'objet d'une variété d'applications possibles qui est vraiment assez incroyable. C'est-à-dire qu'on peut comparer le Sérail au couvent, à la société de cour, comme le fait Saint Spector, à des stades divers du despotisme, et même à l'univers concentrationnaire. Alors, toutes ces applications variées montrent qu'il ne se réduit en fait à aucune de ces figures. Montesquieu construirait plutôt la fiction du pouvoir, pouvoir sur les âmes, pouvoir sur les corps, pouvoir qui réprime des êtres, et pouvoir qui produit aussi des êtres. Et c'est un peu sur ça que je vais essayer de travailler.
Alors, il y a un autre indice qui me semble inviter à nuancer l'assimilation entre sérail et despotisme, c'est que le sérail, malgré son absolument, enfin son effarante violence, hein, qu'il ne faut jamais oublier, c'est quand même assez, heureusement que c'est de la fiction, malgré son effarante violence, ne produit pas, me semble-t-il, c'est une expérience de lecteur, la même impression que 1984 ou La Servante écarlate. Donc, littéralement parlant, je n'ai pas l'impression qu'on soit totalement, en tout cas, dans une dystopie. Et c'est aussi ça que je veux interroger. Alors pourquoi on n'a pas le sentiment d'avoir affaire à une vraie dystopie ? C'est que dans le sérail, il y a du jeu, du désordre, je n'ose pas dire de la liberté, qui se maintiennent obstinément alors même qu'on nous montre une structure retorse de pouvoir. Alors comme exemple de trouble, il suffit de penser, bien avant la dernière lettre de Roxane, à certaines lettres de femmes. Pauline Craa parlait de l'ironie. Moi, j'y vois une ironie involontaire, mais effectivement, il y a bien une ironie en un sens, hein, puisque ces femmes soulignent assez crûment les insuffisances d'Usbek comme époux. Et Alain Gros-Richard disait les lettres persanes, c'est comment faire couple. Et c'est une voie qui n'a pas été beaucoup explorée. Et pourtant, je pense que c'est un peu aussi au cœur du sujet. Alors, pour revenir au mot orwellisation, c'est un néologisme que j'emprunte à Kundera dans Les Testaments trahis, lorsqu'il oppose la poésie du procès de Kafka à 1984. Je suis obligé de partir de là pour expliquer mon propos. Alors, pour Kundera, 1984 serait une pensée politique déguisée en roman à des fins de propagande, d'où un mauvais roman, parce que trop didactique, dans lequel la vie se voit réduite à son aspect purement politique, au détriment de la complexité des hommes et des situations, et au détriment de la complexité des idées aussi. En revanche, dans le procès de Kafka, les personnages, je cite Kundera, même dans les moments les plus cruels, gardent une liberté de décision qui donne à la vie cette heureuse incalculabilité qui est la source de la poésie. Donc, univers poétique dans un environnement totalement apoétique, c'est ça le procès de Kafka, et évidemment, je me demande ce qu'il en est pour le sérail. Kundera soutient que la pensée authentiquement romanesque, qui est toujours asystématique, indisciplinée, elle forge des brèches dans tous les systèmes d'idées qui nous entourent, elle examine tous les chemins de réflexion en essayant d'aller jusqu'au bout de chacun d'eux, ce qui me semble faire écho à une réflexion de Montesquieu lui-même dans un fragment du Bonheur. Je le cite, « On ne s'est guère jamais trompé plus grossièrement que lorsqu'on a voulu réduire en système les sentiments des hommes et sans contredit, la plus mauvaise copie de l'homme est celle qui se trouve dans les livres, qui sont un amas de propositions générales, presque toujours fausses. Et entre parenthèses, voyez les galériens forgués. L'un des enjeux du roman, ce serait peut-être d'expliquer comment des galériens peuvent être forgués. Difficile de l'expliquer autrement que par la fiction, peut-être. Alors, ça fait aussi écho à un autre passage de Montesquieu qui est dans Histoire de la jalousie, où il évoque le plaisir de lui comme lecteur de roman. Je le cite toujours, hein. « Je lis quelquefois toute une histoire sans faire la moindre attention aux coups donnés dans les batailles et à l'épaisseur des murs des villes prises. Uniquement attentif à regarder les hommes, mon plaisir est de voir cette longue suite de passions et de fantaisies. » Donc le romanesque, le vrai romanesque, consisterait à développer des passions et des fantaisies, fantaisie étant le mot utilisé par Roxane pour désigner l'ordre du sérail. J'ai profané la vertu en souffrant qu'on appela de ce nom ma soumission à tes fantaisies. Alors, donc ce qui renvoie toujours à cette question, hein, c'est voilà, le contexte de la réflexion. Alors, si le genre romanesque est apprentissage de la complexité, comme le soutient Kundera, en quoi le roman du sérail éclairerait-il mieux la complexité du réel que ne le pourrait le faire la science politique ? En quoi, par l'invention de situations et de personnages concrets, on apercevrait des vérités que ne pourrait pas saisir la science ? Alors, ma thèse est la suivante, c'est que si Balzac montre l'argent comme nouvelle dimension de l'existence humaine, si Tolstoï, comme le dit Kundera, manifeste l'histoire comme autre nouvelle dimension de l'existence, il me semble que Montesquieu montre le pouvoir comme une nouvelle dimension de l'existence. J'y reviendrai en conclusion. Alors, ce qui me fait dire cela, c'est que le sérail invente, c'est la dimension qui me fascine dans le sérail, puisque c'est la dimension érotique, hein, la fiction du sérail invente des techniques très raffinées de pouvoir. Et elle fait travailler des relations de pouvoir complexes et elle pose des questions gênantes, parce que tout roman est nécessairement immoral et dérangeant.
comme la servitude volontaire existe-t-elle ou peut-elle exister ? Peut-on s'accommoder de la servitude ? Un bonheur est-il possible dans la servitude ? Qu'est-ce que résister à un pouvoir écrasant ? Comment naît une conscience politique ? On est, à mon avis, dans toutes ces questions sont là présentes hein, dans les lettres. Mais ça suppose des micro-lectures, en quelque sorte. Alors, je ne peux pas tout développer, mais je vais me limiter à trois aspects. J'aborderai d'abord l'intrigue du sérail, contingence ou nécessité, hein, comme disait Christophe hier, et son dénouement. Puis, ce qui fait une partie du romanesque du sérail, à mon avis, c'est le romanesque d'une machine de pouvoir, hein, c'est-à-dire les jeux d'acteurs et de systèmes. C'est-à-dire, en fait, on a une machine de pouvoir qui fonctionne en dysfonctionnant. On a un renversement permanent, une ambivalence permanente dans ce roman, qui en fait l'intérêt, à mon avis. Et enfin, je défendrai la complexité des figures féminines, chez qui la contestation et la recherche de liberté le disputent à la soumission volontaire. Alors, je commence par l'intrigue du sérail. Alors, bien sûr, l'intrigue du sérail suit un mouvement de corruption, hein, de dégradation, d'entropie. Et effectivement, le sérail est incapable de fixer, de fixer le désir sur des femmes sur Usbek et de le réprimer. Ça, c'est indéniable. Hein. Mais il me semble quand même qu'il y a plusieurs dénouements possibles, et Usbek le suggère dès le début, dans la lettre 6 de l'édition 58, qui est en fait la lettre 1 de l'édition B de 21. Donc, enfin, j'ai pas eu le temps de, là aussi, un travail à faire sur le jeu des déplacements de lettres. Bon, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, c'est la lettre 6 de l'édition de 58. Alors, Usbek dit, ce plaignant, enfin, anticipant la fin du sérail, hein, la catastrophe du sérail, Usbek dit n'aimerais-je pas mieux une obscure impunité qu'une correction éclatante. Manière de dire que il y a deux dénouements possibles. On pourrait se tolérer une sorte de désordre sexuel dans la mesure où la clôture du sérail en préserve le secret. Et Usbek admet déjà que punition et répression pourraient tourner au scandale. Donc, que les patients frustrés finissent par se satisfaire en son absence, Usbek n'en doute pas du tout, hein, il le sait dès le début. Qu'elle tourne à la tragédie sanglante, c'est autre chose. Alors, il me semble que le décalage entre les ordres punitifs d'Usbek et leur mise à exécution, qui sont effectivement une source d'ironie, hein, comme l'a montré Christophe, a aussi un enjeu qui est de souligner la part d'aléa dans la catastrophe finale. Puisque la première révélation des désordres du sérail date de septembre 17, le début de la répression de mars 20, 1721, j'occidentalise le calendrier par souci de clarté, le sérail a donc continué de tourner à sa manière, dans une relative tranquillité, pendant au moins 2 ans et 6 mois. Donc, en un sens, ça fonctionne. Alors, ce qui correspond d'ailleurs à la politique de dissimulation concertée et méthodique de Roxane, qui, avant son suicide et sa vengeance, s'accommodait fort bien d'un adultère caché sous l'apparence de la plus parfaite obéissance. Montrant par là même d'ailleurs une des failles du sérail, c'est que la morale pour Usbek et ses eunuques s'identifie ou se confond avec une normalisation des conduites. Donc une conformité à des pratiques et pas à une conduite authentiquement vertueuse. Ce qui permet évidemment la dissimulation, justement. Finalement, c'est pas tellement Roxane qui provoque la chute du sérail, puisque finalement, elle s'accorde très bien du mensonge et finalement de l'ordre du sérail tel qu'il est. Mais c'est plutôt... et c'est pas totalement l'absence d'Usbek non plus, puisque l'absence d'Usbek arrange Roxane, hein, mais c'est bien Usbek. C'est la réaction d'Usbek, attisée par Zélis enlevant un de ses voiles. Et c'est aussi corrélé à l'ambition ou la fidélité de Solim, on ne sait pas trop, qui transforme le sérail en sombre fête punitive et entraîne la catastrophe. Donc, à mon avis, une des questions qui se pose, c'est pourquoi Usbek provoque la catastrophe finale. Et là aussi, il y a une ambiguïté, hein, une sorte d'ambivalence, puisque cette répression qui mêle correction disciplinaire et supplice, hein, le supplice de la fessée, peut passer pour l'expression d'une politique raisonnée, hein, je le cite, je ne sais me servir de ces moyens violents que lorsque j'ai tenté tous les autres. Donc il y a une sorte de politique réfléchie de punition. Mais en même temps, elle ressemble davantage à un délire de purification et d'expiation. Donc on voit que dans le sérail, il y a une complexité des motifs qui travaillent. Voilà. Et une complexité des causes et qui s'engrènent, en fait, hein, qui en fait un roman. Donc, pour conclure cette première étape, l'issue finale, alors ça dépend ce qu'on appelle l'issue finale, n'est pas si prévisible, elle n'est pas un effet nécessaire et structurel. Et enfin, on voit que les actions et les passions des personnages ne se prêtent pas à un jugement tranché, au contraire, ils appellent l'interprétation, et cette interprétation n'est pas univoque.
Alors, il y a un autre fil, à propos d'interprétation non univoque, dans l'intrigue, il y a un autre fil important, c'est comment Roxane devient philosophe, hein, pour citer le titre d'un article célèbre et excellent. Alors, il me semble qu'elle le devient d'abord par la pratique de la dissimulation, par lequel son esprit se tient dans l'indépendance, hein, donc par la pratique du mensonge et de l'adultère, et ensuite, pour retrouver une dignité qu'elle se reproche d'avoir perdue justement dans l'adultère et le mensonge. La lettre est une lettre philosophique, une lettre effectivement où l'Usbek reçoit une leçon, mais c'est aussi un baroud d'honneur. Et donc la philosophie, c'est une manière de sauver l'honneur qu'on craint d'avoir perdu. En tout cas, pour Roxane, ça ressemble à quelque chose de ce type, ce qui manifeste bien, là encore, la complexité de la lettre, hein, qui est... et des motifs. Alors j'en arrive à un autre aspect du roman, ce que j'appellerais le romanesque de la machine, ou une méditation ironique sur l'articulation toujours fragile et in extremis des moyens et des fins. Alors, sous cet aspect, Montesquieu cultive le double regard propre au grand roman, me semble-t-il, où, vous savez, dans les grands romans, vous avez un romanesque plus vrai, supérieur, qui est atteint par la critique du romanesque, bon, c'est bien connu. Et de ce point de vue, il faut mettre en parallèle la lettre 2 d'Usbek et celle du premier eunuque noir, la lettre 9, qui donne deux versions du fonctionnement du sérail, une version kitsch, j'ai envie de dire, hein, la version d'Usbek, et la version vraie, la version réaliste, celle de l'eunuque. Ce qui n'empêche pas que dans la version que propose Usbek, on est invité à admirer et à comprendre des techniques de pouvoir très retorses qui visent à maîtriser les cœurs en orientant et en réprimant les désirs. Mais de l'autre, ce que montre le parallèle des deux lettres, c'est qu'une structure de pouvoir planifiée selon un fantasme de contrôle et de normalisation fonctionne finalement selon un jeu imprévu de passion, donc il y a du jeu. Et ceux qui sont soumis à ce système de pouvoir qui a l'air ultra efficace trouvent des marges d'action et de compensation, mais n'y échappent pas pour autant. Donc il y a des jeux de renversement qui sont assez troublants et qui font la complexité du roman, à mon avis. En fait, il nous montre le fantasme du management et son envers, hein, si on peut dire, si on voulait faire une grille de lecture moderne à ce texte, de ce texte. Donc, dans le sérail, moi, il me semble que c'est un lieu de machination, au sens qu'on s'y concentre des techniques de gouvernement et des stratégies de résistance et d'acceptation. Et Montesquieu produit deux sentiments contradictoires, l'horreur d'un côté et de l'autre une fascination, hein, intellectuelle devant des artifices visant à soumettre et conduire le désir. Artifices qui sont d'ailleurs, pour avoir relu 1984 récemment, plus fins, plus complexes et plus ingénieux que les techniques d'assujettissement brutales, mais certes efficaces, de 1984. Bon, les techniques de pouvoir, je n'ai pas le temps de les étudier en détail, mais je vais m'en tenir à l'eunuque, et toujours à cette lettre 2 et cette lettre 9. Alors l'eunuque, évidemment, est la pièce maîtresse de cette technique de pouvoir, notamment parce qu'il en prend en charge la part maudite. C'est un repoussoir qui suscite le dégoût, la crainte, qu'on peut conjurer par une soumission zélée. C'est le sens, l'un des sens de la lettre 2 d'Usbek au premier eunuque noir. Le sérail repose sur une intimation adressée aux femmes, et je peux la traduire ainsi, je peux la traduire cet impératif ainsi, « Soumets-toi aux lois du sérail, et l'eunuque qui te fait si peur te sera soumis. Soumets-toi aux lois du sérail, et je te permettrai de conjurer la puissance inquiétante d'un être que tu crains et méprises à la fois. Être sous les ordres d'un être qu'on craint ou méprise ou qu'on n'estime pas est une expérience de pouvoir, hein, et que le sérail nous fait éprouver, en l'occurrence, il me semble. » Donc, dans la lettre 2, Usbek, Usbek pose ce contrat singulier entre l'eunuque et la femme, où la soumission volontaire est présentée comme le meilleur des calculs. Donc, on est vraiment dans l'ordre du calcul. Alors, évidemment, je pense qu'Usbek ne croit pas à ce contrat, mais bon, il le chante quand même, pour convaincre, évidemment, l'eunuque de lui bien fonder de son rôle. Mais bon, n'empêche qu'il imagine une technique de gouvernement fondée sur le calcul économique. Mais en fait, c'est la subtilité de Montesquieu, ce jeu des. En fait, la réalité, c'est que c'est ce que dit l'eunuque. Il y a tout entre nous, entre les femmes et nous, les eunuques, un flux et un reflux d'empire et de soumission. Donc, en fait, on n'a pas un contrat qui fonctionne, mais une guerre de position. Concrètement, c'est ça qui se passe en réalité. Donc les passions l'emportent sur le calcul économique que pensait imposer Usbek, et la structure de pouvoir laisse le champ libre à un jeu de passion qui ne figure pas dans son programme. C'est là aussi où on a, je trouve, quelque chose d'intéressant. Mais, ultime renversement, ce jeu des passions ne subvertit pas vraiment l'efficacité des fins poursuivies, hein, la répression du désir, la soumission, la normalisation des conduites, bien au contraire.
Puisque, pour résumer, j'ai encore le temps. D'un côté, j'ai oublié l'heure à laquelle j'ai commencé. D'un côté, l'eunuque sert son maître, d'autant mieux qu'il est les femmes, que pour lui, les dominer, reconquête de dignité et seule jouissance possible. De l'autre, les femmes acharnées contre l'eunuque, tout à leur désir de se venger de lui, peuvent encore moins s'affranchir, en fait. Elles sont prises dans un jeu qui les aveugle. Et enfin, cette guerre de position renforce le pouvoir du maître, puisque pour gagner cette guerre, qui ne sera jamais gagnée, il faut évidemment obtenir l'empire sur le maître. Hein, c'est ce qu'explique très clairement l'eunuque dans sa lettre 9. Donc le maître devient au centre. Et d'ailleurs, Roxane le comprend très bien, puisqu'elle évite ce piège, justement en se soumettant en apparence au pacte proposé par Usbek, pour mieux subvertir le sérail ensuite. Et donc, le sérail fonctionne bien, parce qu'il ne fonctionne exactement pas comme il est prévu. Alors, il y a une sorte de paradoxe. Alors, c'est pour ça qu'on est dans un grand roman, entre guillemets, puisque c'est toute la complexité des choses qui est montrée. Voilà. Alors, il y a aussi un autre élément plus concret, plus simple, c'est que dans le vrai fonctionnement du sérail, certaines formes d'écart, notamment d'écart sexuel, sont tolérées, voire en un sens encouragées, car elles permettent à l'eunuque de s'en servir pour renforcer son pouvoir par le chantage. Donc dès le début, en fait, c'est dit clairement par l'eunuque, c'est-à-dire il exerce un pouvoir sur les femmes en traquant leurs fautes, qui devient donc une monnaie d'échange. Voilà. Donc, pour résumer ce deuxième point, Montesquieu montre une dynamique de passion qui vient énerver une structure de pouvoir et lui donner, en quelque sorte, le mouvement et les vies à partir d'une déviation fondamentale. Et la poésie vient de cette inflexion. Il y a quelque chose d'incalculable là-dedans. C'est ça qui nous renvoie à Kundera. Il y a une sorte de clinamen qui signe la liberté, ou au moins l'incalculabilité. Et donc le romanesque de Montesquieu, qui est aussi une réflexion philosophique, c'est comment des dynamiques, des formes de désordre viennent conforter ou non un ordre. Je pense qu'on est un peu autour de... Et il expérimente aussi les modalités concrètes par lesquelles des passions s'articulent à des techniques de pouvoir. Moi, c'est vraiment ça qui me fascine, et avec des jeux d'ironie en chaîne. Et donc, effectivement, il y a du jeu et un jeu ironique dans l'articulation des moyens et des fins du sérail, ce qui distingue le roman du sérail, à mon avis, des utopies où l'on chante, du moins de celles de ces utopies où l'on chante un ordre parfait et efficace. On aurait donc, si on voulait une formule... un Don Quichotte de l'utopie plutôt qu'une dystopie dans le roman du sérail. Alors j'en arrive aux femmes avec cette question, comment vivre dans une structure de pouvoir disciplinaire ? Une liberté est-elle possible ? Alors, déjà une remarque, il me semble, après peut-être que ça peut, son remarque ne fait pas consensus, je ne sais pas. Première lettre de Zaki acceptée, le sérail ne met pas en scène des êtres réduits à l'état d'objet voués à la satisfaction des désirs du maître. En d'autres termes, les femmes du sérail n'apparaissent pas comme des esclaves écrasées par la crainte ou comme des bêtes brutes, pour employer une formule de Montesquieu, sans éducation ni honneur. Alors, ce sont plutôt des amoureuses zélées qui souffrent, et c'est un des paradoxes du récit, à mon avis, puisqu'elles sont prises dans une structure de pouvoir, et elles sont quand même amoureuses, me semble-t-il. Alors évidemment, c'est la question, est-ce qu'elles jouent un rôle? Est-ce qu'il y a une dissimulation? Alors, je vais expliquer ma position, qui est parfaitement discutable, mais... bon. Alors, il me semble que leur lettre se caractérise par une ambivalence fondamentale. En même temps qu'elles y chantent avec zèle leur servitude amoureuse, et leur soumission matrimoniale, on a l'impression que vraiment leur désir, leur unique désir est de faire couple, vraiment c'est... Bon. En même temps, donc, qu'elles le chantent, elles objectivent aussi les ressorts de leur soumission et ébauchent des formes de contestation. Et cela presque à leur cœur défendant. Pour moi, c'est un peu ça, la structure des lettres. C'est pour ça que j'ai du mal à y voir une forme de dissimulation. Il y a du rôle, mais il est mal joué, alors, s'il y a un rôle... Il me semble que les lettres des femmes reposent sur une même composition, à savoir une structure gigogne de renversement naïf au fil de la plume. Moi, je le vois de cette façon. On a d'abord le chant aveugle de l'amour soumis,
puis l'énoncé non réfléchi, presque inconscient, d'une vérité subversive que Usbek, s'il savait lire, se prendrait plein dans la face, hein, mais manifestement il ne sait pas lire, en tout cas où il ne lit pas les lettres des femmes, donc c'est au moins tant mieux pour lui en un sens. Donc pour moi la structure des lettres du sérail, des femmes du sérail, c'est comment l'esprit vient aux femmes. Et il semble que Montesquieu recourt déjà à une structure marivaudienne. Une vérité troublante se dit à l'insu de son énonciateur, qui ne mesure pas encore, ou peut-être pas en tout cas, la portée de ses propos. Alors, l'exemple le plus frappant, c'est lorsque Zélie s'étonne du mariage de Zélide avec un eunuque blanc. Et beaucoup ont vu qu'elle commentait en réalité sa relation avec Usbek. Donc on est bien dans cette forme de vérité qui se dit par la bande, hein, et à l'insu de l'énonciateur. Et il y a une forme d'incalculabilité, hein, de la lettre, de liberté, en quelque sorte, enfin, liberté avec toutes les guillemets qui s'imposent. Alors, il me semble que Montesquieu prend soin d'individualiser ses femmes, même si c'est selon, au départ, des clichés. Fatmé correspond à la femme tendre, hein, c'est l'amour-sentiment, Zaki, à l'amour physique, et Zélis à l'amour intellectuel. Alors en fait, il y a des tuilages entre les personnages. Si on regarde dans le détail, il y a des effets de superposition, de croisement, bon, qui les rendent plus complexes. Alors, évidemment, ces trois figures correspondent à trois types de rapports avec Usbek, trois façons de faire couple, ou trois façons rêvées de faire couple, plutôt, pour ces femmes, j'ai l'impression. Le seul rapport avec Usbek n'étant pas de ce type. Donc la tendresse, le sexe, le partage intellectuel. Et cette individualisation permet d'expérimenter plusieurs façons de vivre la soumission, de mettre en scène aussi, en même temps, la recherche désespérée et obstinée d'une liberté, et de formuler des voies de contestation. C'est-à-dire qu'on a tout en même temps, en quelque sorte, ce qui fait la complexité des lettres. Et bon, voilà. Alors, si on continue le portrait de ces femmes, Fatmé et Zaki sont dans l'oblation d'elles-mêmes, hein, le don complet de soi. La dominante sentimentale de l'amour de Fatmé le fait ressembler à un pur amour, mais c'est encore un paradoxe, si on veut, apparent en tout cas, mais n'empêche pas l'essor d'un désir physique, au contraire. Et chez Zaki, le don de soi paraît moins pur, et on le sait, il n'interdit pas les petites infidélités, mais en outre, son zèle amoureux tient beaucoup, hein, de l'ambition de conquête. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Zaki, c'est dans une structure de pouvoir, moi je la vois ainsi, elle incarne la figure de l'esclave zélé qui trouve une dignité et un avantage à jouer au mieux le jeu de la servitude. Et donc toute l'ambition est d'être la première des esclaves, hein, donc c'est une figure assez terrifiante à bien des égards, hein, de ce point de vue, puisqu'elle instaure une relation de compétition entre les femmes, hein, qui favorise l'assujettissement de toutes en ruinant la possibilité d'une solidarité entre dominés. Donc là aussi, on a une structure de pouvoir et une dynamique de pouvoir. Alors, autre caractéristique du personnage, c'est qu'elle est la plus complice de l'assujettissement, un des meilleurs piliers du pouvoir, donc. Et en même temps, elle est celle de ces trois femmes qui respectent le moins les lois du sérail. Et là, on retrouve un paradoxe des régimes totalitaires, hein, ou autoritaires en tout cas. Voilà, souvent, les plus zélés de ces régimes sont ceux qui respectent le moins, entre guillemets, la loi, quoi, ou les règles du jeu. Et ce paradoxe dont on est un peu familier aujourd'hui, seul un roman permet peut-être de le saisir correctement. Alors, complexité tout de même du personnage, c'est qu'on ne peut pas la réduire à cette figure si on lit la lettre. Ses motivations sont complexes, puisqu'elle voit aussi dans l'amour physique un moyen d'échapper à l'emprise du sérail, de sublimer la soumission. Je la cite, « Il nous sembla que nous fussions seuls dans le monde, tout ce qui nous entourait ne fut plus digne de nous occuper. » Donc voilà, on échappe au sérail en fait. Alors, dissimulation peut-être, mais bon, la phrase fait sens en tout cas. La sensualité et le couple sont pour Zaki des lignes de fuite, hein, ça me semble assez clair. Alors, j'en arrive à Zélis, qui est la femme intellectuelle. Hein. Oui, c'est bon, j'ai le temps. Oui, il faudra songer bientôt à... Je suis à la fin. Alors, le problème, c'est que c'est le plus compliqué, Zélis, mais bon, tant pis. Alors, Zélis est la figure de la femme intellectuelle, hein, qui crée un lien intellectuel avec Usbek, mais en réalité, elle le dit, elle l'a séduit par sa sensibilité à elle pour les plaisirs. Donc elle l'a séduit exactement comme Zaki, en fait. Voilà. Donc là aussi, on voit bien la complexité, mais elle ne veut pas s'en tenir là et veut atteindre un autre type d'échange. Et s'il y a bien un personnage qui joue un rôle, me semble-t-il, c'est bien elle.
Alors nous, il y a quelque chose d'assez terrifiant, justement, dans cette ambition d'intellectualité, c'est qu'elle se traduit par, me semble-t-il, par le désir de perfectionner les techniques d'asservissement du sérail. La lettre 62 est quand même terrifiante, puisqu'elle invente une nouvelle technique de pouvoir, une technique que peut-être, dans l'esprit, que peut-être seule une femme pourrait inventer, puisque les femmes se caractérisent par la douceur du gouvernement. Cette technique, c'est le conditionnement. Puisqu'elle constate de façon très méthodique l'insuffisance de la discipline et de l'idéologie pour plier les âmes, et donc elle propose le conditionnement infantile, concrètement enfermer très tôt sa fille. Donc là aussi, on a une femme qui crée de la soumission, ce qui est une manière de créer un couple et de devancer et de sublimer la soumission. Donc en fait, il y a une sorte de parallèle avec Zeki assez claire. Et donc le sérail permet de développer de façon assez glaçante des dynamiques de servitude volontaire, je pense que c'est assez clair. Mais en même temps, ces lettres sont frappées d'ambivalence, elles indiquent les points de fêlure du système. Alors je vais aller vite là, parce que le temps presse. Dans les lettres, ces femmes disent crûment leurs problèmes de couple. Et c'est par ce biais que s'introduit la critique d'une structure de pouvoir. C'est pour ça que dissimulation jusqu'à un certain point, s'il y en a une. L'absence de l'époux ne produit pas seulement une fureur érotique, mais aussi un désir de couple et une demande de réciprocité. C'est comme ça qu'est vécu ce désir de couple, me semble-t-il. La revendication affleure, sans être pleinement assumée, ni totalement lucide, la plus lucide, paradoxalement, me semblant, de ce point de vue, Fatmé. Puisque si on suit la dynamique de la lettre de Fatmé, d'abord, il y a typiquement ce qui fait rêver Montesquieu, c'est cette génération, cette suite de passions. Puisque si je résume la dynamique de la lettre de Fatmé, Alors d'abord, je vais donner le message politique de Fatmé, si on veut. Pour elle, la dénégation du désir féminin dans le sérail cache une stratégie de frustration qui n'est qu'un artifice paresseux et lâche pour s'assurer l'amour d'une femme, sans en passer par le danger de la séduction. Et cette frustration, ajoute-t-elle, est aussi l'expression d'une société patriarcale, elle est gardée pour l'honneur et non pour la félicité d'un époux, société patriarcale qui fait de la femme un instrument de plaisir et plus encore un objet de luxe, pour employer la formule de Montesquieu. Donc on a l'essor d'une conscience politique, me semble-t-il, qui se produit en plein cœur de l'amour insatisfait. Enfin, voilà, le message, elle a compris la vérité, une des vérités du sérail, et c'est une vérité politique. Parallèlement, vous avez une sorte de dynamique des passions où le personnage développe sa complexité. D'abord, elle chante la passion exclusive pour Usbek, qui crée le manque. Le manque éveille la sensualité et le souhait à peine voilé de l'inconstance. Ça a été évoqué aussi par Pauline Krah. Souhait à peine voilé de l'inconstance qui mute en expression concrète de révolte. Donc on a bien une succession très étonnante de passions et un renversement radical de la lettre, en fait, figure du renversement qu'avait repéré Starobinsky. Donc j'ai voulu illustrer une poétique romanesque fondée sur une dynamique de passion interagissant avec une structure des fins et des pouvoirs. À travers le sérail, Montesquieu montre peut-être le pouvoir comme nouvelle dimension de l'existence humaine à une époque où l'effort de centralisation, le développement de l'administration, le quadrillage des territoires, l'art de la guerre, les progrès de l'art de la guerre, la politique culturelle, le développement de la politique culturelle et de la politique économique, de la police et la société de cour instaure de nouvelles formes de pouvoir qui ne cherchent plus seulement à réprimer, mais, comme le disait Michel Foucault, à produire aussi des effets. Donc le roman du sérail montre comment les hommes font l'expérience ou vivent de nouvelles pratiques de pouvoir, et de ce point de vue, les femmes sont au cœur de ces tensions, de ces nœuds de pouvoir. Et pour terminer... Alors ça, c'est juste je lance quelque chose. Il me semble aussi que ce qui nourrit le roman du sérail est un rêve qui travaille Montesquieu, du moins comme romancier, car on trouve ce rêve dans les Troglodytes, l'histoire d'Anaïs, Arsace et Isménie, et l'anecdote concernant la sœur de Charles XII et dans le trône de Suède à son époux. Le rêve d'un amour libéré de toute forme de pouvoir. Ou ce qui revient à se demander, comme l'avait écrit Alain Gauricard, comment faire couple. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fabrice. Et désolé d'avoir un petit peu imprégé. Mais alors, ce que je propose de toute façon, comme
Voilà, les deux premières interventions faisaient vraiment un ensemble très cohérent, même si, bien sûr, nous ne pouvons pas poser de questions à Pauline Kram. Mais en revanche, je propose qu'on ait une toute petite séance de discussion dès maintenant. Hein, et puis, nous en aurons une seconde après avoir entendu Philippe Stewart et Françoise Gevrey. Donc, voilà, merci en tout cas pour cette lecture fine qui plaide... réfute une lecture purement allégorique. Voilà, je crois que ça, c'est de toute façon quelque chose à laquelle on peut tout à fait souscrire, me semble-t-il. Hein, en effet, la lecture anti-orwellienne, si l'on peut dire, du roman de Serail est aussi tout à fait convaincante. Et l'idée, en effet, que les figures... proposées par Montesquieu sont loin d'être aussi stéréotypées qu'on a pu le dire, ou en tout cas elles sont très finement nuancées, hein, chacune, et leurs voix ne sont absolument pas confondues. Il y a un travail très fin, hein, que tu as contribué, je crois, à éclairer. Je vais maintenant donner la parole à Philippe Stewart, si je puis dire, mais il faut qu'il y ait une petite intervention technique pour que nous puissions l'entendre, l'enregistrement va être projeté. Alors oui, bien sûr, je dis quand même quelques mots de Philippe Stewart, même si, pour présenter Philippe Stewart, même si je pense que vous le connaissez toutes et tous, hein, mais bon, Philippe Stewart est bien sûr professeur émérite à Duke University, grand spécialiste du roman au XVIIIe siècle de Rousseau, et entre autres auteurs, hein, mais aussi, bien sûr, et surtout de Montesquieu. Hein, il a beaucoup publié sur Montesquieu, récemment coédité des tomes de la correspondance avec Catherine Volpi-Yacogé, et qui est un des spécialistes les plus reconnus des lettres persanes, qu'il a édité, bien sûr, et qu'il a abondamment commenté depuis de longues années. Et donc, sa communication s'intitule « Je est un autre, les narrateurs » de Montesquieu. Bonjour. Je tiens d'abord à remercier les personnels de la librairie Mola et Sandrine Aguerre en particulier qui ont rendu possible cet enregistrement. Et bien sûr, je suis reconnaissant à tous ceux qui participent à ce colloque et surtout à Aurélia qui a eu l'inspiration et l'énergie pour mener à bien ce colloque. Si l'on savait, c'est l'épigraphe, si l'on savait qui je suis, on dirait. Son livre jure avec son caractère. Il devrait employer son temps à quelque chose de mieux. Cela n'est pas digne d'un homme grave. Je modifie légèrement mon titre. Montesquieu, je est un autre, Montesquieu, métempsychosiste. Vous me passerez la bouteille, j'espère. Je ne prétends pas assimiler Montesquieu à Rimbaud. Le genre de déplacement que je veux évoquer ici est tout autre, car l'inconnu que vise Montesquieu, à la différence de Rimbaud, est tout à fait rationnel. Ce n'est pas par un quelconque dérèglement des sens qu'il prétend y arriver. Mon argument n'est qu'une forme un peu poussée de ce qu'on a déjà dit. Quand je dis « on », je veux parler de Catherine Volpi-Yacogé et moi dans notre édition « Histoire véritable et autres fictions ». De ce qu'on a déjà dit donc, des fictions de Montesquieu en général, quelles sont la forme que prend nécessairement son imagination quand il éprouve le besoin de s'écarter de ses occupations sérieuses? Pour cet auteur, la fiction opère comme une extension hors programme du moi, ce qu'on pourrait aussi appeler une fiction ontologique qui privilégie la liberté et la première personne. Et la forme la plus délirante de ce privilège, c'est bien la métempsychose. L'histoire véritable nous fournit naturellement l'exemple le plus riche, mais non le seul parmi les nombreux ouvrages trop peu lus de Montesquieu. Son métempsychosiste, l'expression est de Jean-Jacques Bell, est quasiment toujours représenté à la première personne, facteur que Montesquieu déjà considérait
comme inhérent au succès de l'être personne. Ces sortes de romans réussissent ordinairement parce que l'on rend compte soi-même de sa situation actuelle. Ce qui compte, c'est l'immédiateté du rapport grammatical et sémantique entre « je » et un prédicat quelconque. Ce qui dit là, à propos de la forme épistolaire, s'applique parfaitement à cet égard à tout récit, à la première personne. La nouvelle aurait pu progresser autrement. Une âme pourrait être réincarnée sans laisser de traces en mémoire de son existence précédente. Hayesda dit qu'un philosophe lui a fait don de la faculté de, je cite, de me ressouvenir de tout ce qui arrivera dans toutes les révolutions de mon être. Mais c'est au fond un don un peu superflu, car déjà, sans la mémoire du passé, toute possibilité de son récit s'évanouirait. Cette chaîne-là est après tout la condition de possibilité du récit. Damir explique ensuite que les hommes bornés sont ceux qui ne connaissent que leur vie présente. Les esprits les plus étendus sont ceux qui jouissent des connaissances qui sont acquises dans plusieurs vies. Oui, mais voilà encore l'impasse. S'il existe des créatures dépourvues de souvenirs de leur vie passée, du coup, elles n'ont pas d'histoire antérieure à l'histoire présente à raconter. Damir, d'ailleurs, passe sur presque toutes les expériences qu'il aurait pu raconter, car, dit-il, ayant continuellement changé, je ne me regarde pas comme un individu. Ce qui poserait encore d'autres dilemmes s'il s'agissait sérieusement de l'examiner. Ce qui frappe dans toute leur métempsychose, c'est leur mobilité, ou si l'on veut, leur instabilité. On passe vite d'une vie à l'autre et souvent sans liaison apparente. Ou comme l'ont dit Pierre Rita et Didier Massot dans leur préface de l'édition Dans les œuvres complètes, le principe de la métempsychose confère au récit une impressionnante plasticité. De ce fait, une certaine analogie avec la fonction des pensées que Montesquieu n'a cesse de jeter souvent en vrac sur le papier et de faire recopier, sans suite nécessaire, comme les réincarnations. Je cite Pierre Rita et Didier Massot, moraliste bref, il trouve dans la métempsychose un principe de discontinuité bien meilleur que la lettre qui suppose une mise en forme vraisemblable. Il dispose de l'âme à son gré et peut donc se livrer au plaisir du trait, de la mise en scène minimale et, pour clore le tout, de la pointe brillante, surprenante, recherchée parfois. Combien de vies semblent n'être vécues que pour elle. Il est évident que cette sorte de pullulement, toujours plus ou moins sur le même plan, cette parataxe narrative, ne plaît pas à Jean-Jacques Bell, qui voudrait un peu plus de structure, et surtout en fonction d'un enseignement qui tend en direction de quelques paradis ou au moins quelques leçons, c'est-à-dire une évolution didactique équivalente. Les narrateurs relient à peine leurs différentes incarnations. Tout semble décousu, sinon émietté. Il reste à peine un fil qui est la voix, presque sans autre syntaxe narrative. La forme classique de la métempsychose dans les religions qui y investissent leur sens de la vie est l'histoire étendue d'une âme qui, dans le meilleur cas, profite de ses expériences à travers une série d'existences afin de se perfectionner et parvenir enfin à un état où elle est digne de passer dans une éternité qui supprimera le malheur et la souffrance, ou même qui la récompensera par un bonheur ou même une euphorie perpétuelle. Rien de tel dans le schéma choisi par Montesquieu. On y voit un avantage, c'est justement pour le narrateur qui, plus libre qu'un papillon, peut voltiger d'une métempsychose à l'autre,
avec un commencement chaque fois absolu. Vu l'absence de cause et d'effet, ou de chaîne, si l'on veut, c'est presque comme si à chaque tour c'était un nouvel être qui se découvre. Il n'y a donc pas de continuité narrative à la première personne sans persistance de la même conscience qui connaît le tout. Toutefois, dans ces récits, cette persistance ne tire pas à conséquence. Rien n'a l'air d'avoir été appris. Ayesda donne quelquefois l'impression, au début d'une nouvelle vie, qui est déterminée par le bilan de la vie précédente, par ce rapport, mais ce rapport n'est pas soutenu. Il lui arrive bien de dire au passage « Toute ma vie fut pesée et la balance tomba rudement du côté du mal. » Mais cela reste sans suite. Il n'y a peu ou pas de continuité thématique. Ce n'est certainement pas le cheminement oriental d'une âme vers un quelconque nirvana. C'est plutôt une impression complètement aléatoire qu'on retient. En l'absence d'une âme se souvenant lors de chaque transmigration de tout le passé cumulatif, il ne peut y avoir ni thème ni histoire. Ce qui est donné comme don spécial, la mémoire qui englobe tout, est en fait la précondition d'un véritable récit. Une succession d'existences coupées les unes des autres ne peut être racontée à la première personne. On comprend que le commun des gens, ne bénéficiant pas du don, du souvenir accordé à Ayesda et à Damir, n'aurait aucune connaissance de leur progression d'une vie à l'autre, ni même de la succession. Ce que racontent Ayesda et Damir, c'est une expérience de pure démultiplication ou libre déplacement d'un état à l'autre, commandé par on ne sait qui ni quoi. Du point de vue de l'imagination créatrice, c'est moins une question d'aliénation que de décentralisation volontaire d'un moi qui est un peu malgré tout Montesquieu, s'amusant à voltiger grâce à un exercice d'imagination qui n'est certes pas celle du bateau ivre, moins éloignement du moi, autrement dit que foisonnement de la conscience individuelle, tout en tenant à son noyau, à son unité. Montesquieu est un écrivain. Nous sommes des critiques. Nous cherchons donc l'évolution que cette succession de métamorphoses doit impérativement véhiculer. Une œuvre n'est pas amorphe, elle a un commencement et une fin, ce qui implique développement. Or, on n'en trouve pas, ou presque. À un moment donné, Ayesda souhaite se retrouver dans un état meilleur. Il espère devenir homme. Et il y réussit, mais cela ne dure pas. Et ainsi de suite. Ni avance, ni recul systématique. Mais la variété est stupéfiante. Didier Massot et Pierre Etta ont cru trouver au moins une progression minimale, mais c'était dans l'absence d'une partie du récit qui, à l'époque, ne leur était pas disponible et qui pouvait malheureusement tout révoquer en doute. Quand on en tient compte, on redevient agnostique à ce sujet. Pour le moment, on va considérer cette question comme oisive et reconnaître que toutes les transmigrations manquent de vecteurs manifestes. Leur point central n'est pas l'ascension diégétique ou impliquée de l'âme vers quelque satisfaction spirituelle, mais une pure prolongation du moi à l'intérieur de formes toujours changeantes, et ce malgré l'apparence de progrès ponctuel, toujours évanescent. Quelquefois, Ayesda a un guide, au début un mauvais génie, dit-il, qui était un petit esprit noir, brûlé et malin, qui devait me conduire. Mais lui aussi est épisodique et non un fil conducteur. Mais alors,
si le conte n'a pas d'autre forme de continuité, si cela s'arrête plutôt que de conclure, comment est-ce que cela peut servir à son auteur, comme on l'a affirmé, de matière à penser? On oublie souvent de constater que lorsque l'individu passe par des étapes infra-humaines, et Asda a subi, dit-il, 400 à 500 transmigrations comme insecte, une autre convention intervient, il faut que ces créatures-là soient douées de sentiments et de sensibilité humaine, sinon l'insecte n'en saurait en rendre compte. Il faut une continuité, elle s'appelle âme, même minimale. Le manque de leçons, ou peut-être même de profondeur, autorise une grande variété de permutations, et c'est de là que semble venir le plaisir du lecteur, et peut-être de l'auteur. Il y a certainement beaucoup d'éléments satiriques, mais qui, eux aussi, sont peu développés. Si maintenant, sans parler strictement de métempsychose, on pense plus généralement à toutes sortes d'interventions de voies multiples sans grande continuité ontologique et qui ne sont pas non plus vraiment celles de Montesquieu, on peut dire qu'elles abondent dans ses œuvres, même dans l'esprit des lois. Prenons cet exemple, c'est un passage qui commence par le titre « 13 humbles remontrances aux inquisiteurs d'Espagne et de Portugal ». Une juive de 18 ans brûlée à Lisbonne au dernier auto-da-fé donna occasion à ce petit ouvrage. Ensuite, l'auteur déclare que, quoi qu'il soit juif, il respecte la religion chrétienne et qu'il aime assez, etc. Et puis il parle lui-même, « Vous vous plaignez, dit-il aux inquisiteurs, de ce que l'empereur du Japon fait brûler à petit feu tous les chrétiens qui sont dans ces états. » Mais il vous répondra, et voici un autre niveau de voix, c'est la voix de l'empereur, « Nous vous traitons, mais vous qui ne croyez pas comme nous, etc. » On glisse de la juive qui fixe l'attention, mais qui ne parle pas, à la voix de l'auteur de la remontrance fictive. L'un de ces collisionnaires qui parle au nom de toutes les victimes, non d'elle en particulier, mais de la situation et de leur religion, et de la situation où leur religion les a mis. Puis l'empereur du Japon qui intervient en citation directe au deuxième degré pour mettre en accusation les missionnaires chrétiens. L'encadrement est sensiblement différent dans un autre des contes de Montesquieu, Arsace et Isménie, qui n'est pas particulièrement caractérisé par une variation de la voie narrative, mais ses péripéties inattendues y incorporent souvent ce que Aurillac Gaillard a appelé l'expérimentation du renversement, cette poétique de l'écart et du détour. On y trouve un drôle de tour où l'hypothèse prend la forme d'un fait, d'un récit de fait, correspondant à ce qui serait au conditionnel dans un texte théorique. La cour de Margiane vivait depuis longtemps dans une profonde paix. Elle apprit qu'une multitude infinie de barbares s'était présentée sur les frontières, qu'elle avait taillé en pièces l'armée qu'on lui avait opposée et qu'elle marchait à grands pas vers la capitale quand la ville aurait été prise d'assaut. La cour ne serait pas tombée dans une plus affreuse consternation. Ces gens-là n'avaient jamais connu que la prospérité. Ils ne savaient pas distinguer les malheurs d'avec les malheurs et ce qui peut se rétablir avec ce qui est irréparable. On assembla à la hâte un conseil, et comme j'étais auprès du roi, je fus de ce conseil. C'est une expérience de pensée à la mode de l'esprit des lois, comme la réalisation fictive d'une situation, c'est-à-dire la politique du vainqueur vis-à-vis du vaincu,
qui serait décrit plus simplement, mais avec un langage très proche de celui-là, dans le Contre-traité des lois. L'hypothèse historique est modulée en fable. Déjà, il ressemble pas mal à l'épisode des troglodytes ou à tel autre passage des derniers livres de l'Esprit des lois, où une lecture alternative serait, par exemple, si une nation de barbares se présente sur les frontières et marche à grands pas vers la capitale du pays voisin, etc. Alsace est une sorte d'alter ego de Montesquieu aussi. Il pense pour l'auteur divers principes et expériences relatifs aux principes du gouvernement. Dans cette évocation rapide de métamorphose et imaginaire ou de permutation d'un certain moi demi-voilé, qu'on peut prendre pour un certain Montesquieu, il faut faire au moins une petite place au dialogue. Au lieu de développer ou de qualifier la pensée du personnage historique, comme dans beaucoup de dialogues classiques, Montesquieu lui prête, surtout dans le cadre de Sylla, une face complètement inattendue, une version qui semble renier dans son stéréotype. Le jugement unidimensionnel porté par la tradition est peut-être trompeur. C'est ainsi que son Sylla présentera un argument paradoxal qui n'est pas celui qu'on lui aurait normalement prêté. Plutôt que d'interpréter la pensée de Sylla, il invente un autre Sylla. De même, il adoucit la réputation féroce et sanguine de Xanthippe dans le dialogue de Xanthippe et de Xénocrate, lui permettant de dire que son sens du devoir le lie à l'humanité tout entière. Les fragments de dialogue qu'on trouve dans les pensées et que nous avons repris aussi dans l'histoire véritable suggèrent d'autres conjectures imaginées semblablement comme des amorces de dialogue possibles. Le dialogue des morts n'est pas en fait un genre que Montesquieu cultive particulièrement. Les siens sont courts et rares. Il est loin d'avoir longtemps médité des volumes de tels dialogues comme l'ont fait Fénelon, Fontenelle et d'autres auteurs de l'âge classique. Ce n'est pas le lieu d'analyser leur complexité, disons pour faire vite, qui tendent à compliquer autant qu'à éclaircir le sens ou l'application possible de certains mots cruciaux comme liberté et peut-être aussi même vertu. Vous pensez peut-être que je parle de tout sauf des lettres persanes dont nous fêtons le tricentenaire. Justement, ce que je dis s'applique parfaitement à la manière dont fonctionnent ces deux protagonistes, dépaysés et libérés par leur exil même de toute implication sociale directe. Dans les lettres d'Usbek et encore plus de Rika, la parole passe de l'étranger persan à un type social ou l'autre en France qui en devient provisoirement le narrateur. Ainsi, on entend à tour de rôle des voix très diverses. Quoique l'armature du roman soit celle d'un long dialogue épistolaire entre Usbek et Rika, il incorpore un grand recueil d'autres voix appelés et mis en scène selon les circonstances, souvent des personnages jusqu'alors inconnus qui surgissent à droite et à gauche. Rika n'est pas plutôt à Paris qu'il introduit une autre voix, celle d'une actrice, lettre 26, et on va bientôt rencontrer des hommes du monde, comme dans la lettre 46, divers ecclésiastiques, un nouveliste, lettre 124, un bibliothécaire, et ainsi de suite. Rika ne va jamais dans le monde sans chercher à faire parler d'autres gens au hasard de la rencontre. Quelquefois, un récit plus considérable passe dans la bouche d'un des actants, comme l'histoire d'Aphéridon et d'Astarté, introduite d'ailleurs par Ibn, où c'est la voix d'un guerrier qui raconte l'histoire. L'idée n'est nullement de
faire de Rica ou d'Usbek un avatar de leur auteur, procédé que nous avons condamné, mais de faire voir que grâce à eux, Montesquieu lance des idées qu'il ne peut formuler que par le biais de la fiction, et que ses pensées s'expriment avec leurs mots, mais par toutes sortes de détours et sous toutes sortes de déguisements. Qu'on se souvienne maintenant que Montesquieu a passé la moitié de sa vie à se défaire du métier et en partie de la personne, du caractère, comme on disait alors, dont il avait hérité, non pas pour s'aliéner au sens psychologique, mais pour être libre de se construire autre, pour devenir le Montesquieu qui projette, mais que, du moins au début, personne d'autre n'a semblé deviner. Toute sa vie, il aura été le président Montesquieu, ce que littéralement il n'a pas voulu être. Mais il a bien voulu profiter de la dignité qui adhérait à ce titre. Jean Barbeau l'a supplié, à la dernière minute, de ne pas renoncer à la vocation du président parlementaire pour des raisons qui lui semblaient accommodables, sinon surmontables. Montesquieu devait préparer ce départ bien à l'avance et sans se trahir. Comment s'y était-il préparé? En partie, il l'a fait en nourrissant en silence et à part lui le manuscrit des lettres personnes. Faire un pas hors de soi a constamment été pour lui le travail de la fiction. C'est sans doute pour cela que l'œuvre reste particulièrement ouverte, ou « work in progress », en ce sens que des ajouts se présentent comme régulièrement et spontanément à son esprit, et que ces compléments ou suppléments, il en prend note et les met de côté pour le cas où. Il faut laisser cette ouverture à sa liberté, si l'on veut son caprice, partout les lettres personnes sautillent de personnage en personnage, d'un pays à l'autre, d'un sujet à l'autre, d'une rencontre à l'autre, d'une mise en scène à l'autre. Et c'est dans cette variété phénoménale que gît le secret le plus engageant des lettres personnes. Ce qui nous ramène comme structurellement au problème de la progression. Est-ce l'idée spontanée, jetée à l'occasion sur le papier, qui domine, ou l'intrigue qui est censée nous mener plus ou moins nécessairement vers une fin envisagée d'avance? En fait, aucune œuvre de Montesquieu ne montre mieux le dilemme de cette supposition. C'est bien pour cela que son application de la notion de roman aux lettres personnes a été si tardive. On peut croire à une progression dans les lettres personnes, mais alors s'il y en a une, pourquoi a-t-elle été si mal comprise et pendant si longtemps que nombre de lecteurs et même de chercheurs n'ont jamais vu que Zaki pouvait adorer Usbek moins qu'elle ne le dit, qu'Usbek ne rentre jamais en Perse, quoi qu'il déclare cette intention, et que Usbek n'est pas nécessairement hypocrite et le pire des tyrans, rien que parce qu'il est incapable à lui seul de réformer la société persane. Le fil conducteur, ou du moins générateur, n'a peut-être jamais été qu'une longue série de vignettes sur la vie française, et un peu par contrepartie, la vie persane. Et voilà l'avantage, grâce au format épistolaire, de n'avoir au préalable aucun dessein, comme Montesquieu le déclare dans les quelques réflexions. Les sujets qu'on traite ne sont dépendants d'aucun dessein ou d'aucun plan déjà formé. Au fond, la variété était une donnée de base. Le plus difficile était de lier le tout, opération qui se donne presque comme secondaire. Ce qui laisse ouvert la possibilité que l'intrigue était essentiellement une arrière-pensée.
Mais à la longue, la question du vecteur devait s'imposer. Peut-être avait-il cru au début destiner Usbek à un retour dans un sérail dont l'ordre, en son absence, se serait radicalement bouleversé. Mais si c'était le cas, il n'en est jamais venu à l'incorporer concrètement dans le roman lui-même. Ensuite, il a donc dû chercher à raccommoder les pièces en antidatant rapidement, comme on sait, toute une série de nouvelles lettres sans arriver à résoudre parfaitement les discordances. Et j'en dirais presque autant de l'esprit des lois. La vaste gamme des sujets abordés n'est certes pas sans de nombreuses ligatures, mais la distribution globale, le rapport entre la charpente et le détail, a longtemps posé problème, comme il le dit lui-même dans la préface. J'ai bien des fois commencé et bien des fois abandonné cet ouvrage. J'ai mille fois envoyé au vent les feuilles que j'avais écrites. Je suivais mon objet sans former de dessin. Je ne connaissais ni les règles ni les exceptions. Mais quand j'ai découvert mes principes, tout ce que je cherchais est venu à moi. Et dans le cours de 20 années, j'ai vu mon ouvrage commencer, croître, s'avancer et finir. Ces essais et ces hésitations sont maintes fois reflétés dans les notes marginales des pensées, mis dans les lois, ou l'équivalent, mis dans l'histoire de la monarchie universelle, mis dans les Romains, ou plus généralement, les groupes de reliquats, quelques réflexions ou pensées détachées que je n'ai pas mises dans mes ouvrages, ou bien choses que je n'ai pas mises dans ma défense. Un autre exemple, ce serait la lettre du roi du Tibet, adressée à la congrégation de la propagande à Rome, qui n'a été, paraît-il, retirée que tardivement du livre 25 de l'Esprit des lois, et qui porte dans les pensées la mention « Fragments de vieux matériaux des lettres personnes, j'ai jeté les autres ou mis ailleurs. » Car la nature des choses, suprême étalon du vrai, réclamé par Montesquieu au début de l'Esprit des lois, peut être un critère de jugement, ce n'est pas un principe d'organisation. Les pensées détachées sont pour lui la pépinière des œuvres potentielles, et par là nous rejoignons ce que Catherine Volpiac-Auger a appelé l'atelier de Montesquieu. C'est à partir de toutes sortes de métamorphoses improvisées, à partir d'idées souvent disjointes, sinon absolument disparates, qu'il arrive à capter, à voir se dessiner les grandes lignes de ce qui n'était d'abord qu'un amas informe. Et c'est comme cela que les pensées en vrac sont les jalons d'œuvres naissantes, et ensuite prendront corps et iront leur chemin. Sans plus attendre, je vais donner, merci beaucoup, François, donner la parole à Françoise Gevrey, non sans rappeler brièvement, là aussi, tout le monde connaît les travaux de Françoise. Donc, Françoise Gevrey est professeure émérite à l'Université de Reims, grande spécialiste de la fiction d'Ancien Régime, de la poétique romanesque à l'âge classique, ainsi que des rapports entre morale et fiction, et aussi, bien sûr, grande spécialiste du conte à l'âge classique. Son propos, si le titre n'a pas changé, donc c'est « Sémiologie du personnage dans Arsace et Isménie ». Donc on connaît d'elle, merci beaucoup. Un article d'ailleurs qui important, qui portait déjà sur Arsace et Isménie, mais sur la question de morale et politique. Et donc, cette fois, c'est autour de la question du personnage. C'est la notion de personnage qui va être centrale dans son propos. C'est à vous. Merci Christophe, et merci aussi à Aurélia de m'avoir invité, de m'avoir suggéré de revenir un peu sur mes lectures de Montesquieu.
Donc aujourd'hui, effectivement, nous, dans la suite, d'ailleurs c'est bien parce que Philippe Stewart vient de parler d'Arsace Lismény, du statut, c'est un roman au statut particulier, commencé probablement en 1942, il n'a pas été publié par Montesquieu, qui le retravailla pourtant entre 1748 et 1754. En outre, ce récit a pu se présenter d'abord comme la quatrième partie de l'histoire véritable, tout en accueillant des maximes qui entraient, et on vient d'en parler dans la communication précédente, qui entraient dans la réflexion préparatoire à De l'esprit des lois, par exemple. Enfin, on en connaîtra l'ensemble qu'au XXe siècle. Bon, ça fait beaucoup de particularités du texte. Laurent Versigny a insisté sur l'esthétique qu'il veut nommer baroque de ce roman, qu'on ne saurait seulement justifier par le désir de plaire à des dames comme Mademoiselle de Charolais en créant un monde oriental. Donc je voudrais revenir sur cet ouvrage, dont j'ai par ailleurs considéré les enjeux, on vient de le dire, parce qu'il constitue le dernier essai de l'auteur dans le domaine de la fiction et qu'il permet de s'interroger sur ce qu'elle pouvait alors représenter pour lui. Aurélia Gaillard en a dégagé l'originalité dans la perspective du conte oriental, et je la rejoins sur bien des points en proposant aujourd'hui une étude des personnages sur lesquels le titre met la lumière, et dont la conception ou l'emploi disent la complexité. En tenant compte de l'intertextualité romanesque, de l'hybridité et des renversements, nous tenterons de dégager l'idée que Montesquieu pouvait se faire de la fiction dans cet ouvrage. Bon, d'abord, quel personnage ? Le titre insiste sur deux personnages en leur accordant la place de héros, apparemment donc liés par leurs aventures passionnelles et politiques. Isménie est reine, Arsace deviendra roi. Le sous-titre d'Histoire orientale, ajouté lors de la publication à la fin du siècle, n'est pas de Montesquieu et l'absence de préface prive le lecteur de toute indication sérieuse ou parodique. Le choix du nom d'Isménie fait penser au roman attribué à Eustache que Montesquieu possédait à la Brède, Ismène et Isménie, traduit au XVIIe siècle par Colté et adapté au XVIIIe par Godard de Beauchamp sous le titre « Les amours d'Ismène et d'Isménias ». Il s'agit d'une synthèse de la topique du roman grec. Isménias y compte ses amours pour la belle Ismène dans une Grèce caractérisée tantôt par sa douceur, tantôt par les aléas des voyages. Et dans le roman de Montesquieu, Isménie va apparaître sous un autre nom, Ardazir, l'auteur ayant d'ailleurs d'abord pensé à Ardazide, un nom qui évoque le feu de la passion. Le nom d'Arsace est celui du fondateur du royaume des Parthes, et comme je l'ai suggéré, il est très probable qu'il vient de Cassandre de la Calprenède, romancier que Montesquieu aimait, et qui romancier aussi qui revenait à la mode, au point qu'on publiait au milieu du XVIIIe siècle des versions abrégées, comme celle du Marquis de Surgères. Et il y a plusieurs romans de la Calprenède qui sont aussi dans la bibliothèque de Montesquieu. On lit en effet dans ce roman une histoire d'Arsace, hein, le Perse dans la Bactriane, et né dans la Bactriane et exilé chez les Scythes, qui correspond donc dans le septième tome au livre 2 et 3. Les noms des personnages du titre de Montesquieu se réfèrent donc à la fois à un contexte grec et à un contexte baroque héroïque, à la fiction et à une réalité historique lointaine. Ils sont appréhendés dans un cadre narratif connu des lecteurs de romans. En effet, le récit débute in medias res, ce qui donne de la suspension au lecteur, d'une certaine manière, avec un narrateur omniscient qui évoque, à la fin du règne d'Artamène, bon, nom qui renvoie aussi au grand Cyrus de Madeleine de Scudéry, la montée d'Isménie sur le trône, puis 10 ans de paix avant l'intervention d'Arsace, qui va ensuite revenir sur sa vie en narrateur homodiégétique. Ce schéma de l'étranger qui s'exprime devant un autre bienfaisant peut faire lui aussi penser à des romans héroïques, mais surtout à Zaïde, où Consalve se confie à Ximénès, et à Manon Lescaut, Renoncourt écoute l'histoire des malheurs de Desgrieux. Le récit cadre se distingue par le fait qu'il va ensuite se développer sur presque autant de pages que le récit d'Arsace. Ainsi, les deux récits s'emboîtent et ne peuvent avoir de sens l'un sans l'autre. Plusieurs fois, Arsace commente les faits à l'intérieur de ce récit en anticipant les réactions du narrateur, voire du lecteur. Je cite simplement « Vous serez étonnés quand vous saurez ce qui m'arrêta. Je vous dirai bien que j'étais indigné de me voir traité ainsi. » Il use aussi l'expression destinée à faire partager une émotion hyperbolique. « Il me serait impossible de dire comment je n'expirais pas aussi. »
Le narrateur ne l'interrompt pas, et il ne l'interrompt pas par prudence et aussi pour ne pas hâter le dénouement. La seule interruption qu'il s'autorise va concerner le merveilleux. Si le lecteur voit d'emblée Isménie monter sur le trône, il la perd de vue très vite, puisqu'elle a été Ardazir pour celui qu'il aime. Et il faut attendre un peu pour comprendre qu'Arzas est l'étranger qui a sauvé son royaume. Au moment où Ardazir veut se poignarder devant lui, il se nomme et évoque sa naissance, ses richesses, sa valeur militaire. Le cadre narratif exclut tout portrait physique du héros. On voit juste la tristesse sur son visage quand Isménie, d'une certaine manière aussi, quand il doit plutôt se séparer d'Isménie. Et il est un peu plus explicite, en revanche, quand il va parler d'Isménie. Au début, elle n'est que voilée, elle laissait voir une taille charmante, mais ensuite, il y a un portrait en forme, sa physionomie était ravissante, sa taille, son air, ses grâces, le son de sa voix, le charme de ses discours, tout m'enchantait. Et donc, ce portrait est impressionniste, comme ceux de Prévost, ce qui a été souvent analysé. Une chose n'est pas dite, la jalousie constante de la jeune femme qui se découvrira au fil des événements. En revanche, Arzas montre d'emblée qu'Ardazir incarne la critique de l'abus de pouvoir des hommes sur les femmes. Et s'il ne dit rien de l'âge de sa bien-aimée, il précise qu'il a 15 ans quand on l'établit avec des femmes, puis 17 ans quand Ardazir l'enlève, ce qui doit rendre son déguisement en femme vraisemblable. Mais finalement, les héros de roman sont trois, en raison du rôle important accordé au ministre Aspar. Alors, je passe sur la paronymie qui souligne les liens entre ces personnages, et peu importe après le rapprochement qu'on pourrait peut-être établir avec l'Aspar de Fontenelle, enfin le choix qu'avait fait Fontenelle du nom d'Aspar. Alors qu'on s'attendrait à lire d'abord une présentation des deux personnages du titre, c'est le premier eunuque du palais, dont le caractère conciliateur et le prestige sont soulignés par Montesquieu dans un portrait très ciselé, qui était d'ailleurs un très bel exemple du style de Montesquieu. Et dans mes pensées, Montesquieu reconnaît en avoir fait le caractère et avoir cherché à resserrer ce caractère, puisque les longs portraits étaient critiqués dans les poétiques du temps. Donc, je ne citerai pas parce que je veux essayer de gagner un petit peu de temps, mais il y a cette sorte de balancement entre le fait qu'il désirait fort peu le pouvoir, qu'il savait faire des grandes choses, tout en se révélant un homme sensible. Mais il aura sa part d'ambiguïté, nous le verrons plus loin. Autour de ces personnages principaux gravitent des opposants et quelques adjuvants dans la quête amoureuse et politique. On pourrait les énumérer, le roi d'Hyrcanie, son fils, le roi de Médie, en général un des rois et des princes. Et bien sûr, l'action ne saurait se développer en Orient sans des eunuques, des esclaves, des femmes, un jardinier, un marchand de chameaux, des messagers, les utilités restant dans l'anonymat. Et auxquels il faudrait ajouter trois ambassadeurs et deux vieillards qui parlent pour le peuple. Montesquieu se plaît à décrire certains comportements contradictoires, comme celui du roi d'Hyrcanie, à la fois tyran et amant, qui, je cite, « cherchait deux choses impossibles, de se faire craindre et de se faire aimer ». Dans le contexte des années 40, où l'on observe un renouveau d'intérêt pour l'Orient de Perse et de Turquie, Montesquieu crée une Asie mythique, aux frontières de l'Iran, du Turkestan et de l'Afghanistan actuel. Alors, cela peut venir, ces sources, de la lecture d'Hérodote ou évidemment des voyageurs, sans qu'il y ait pourtant une soumission à l'histoire qui s'est imposée depuis le XVIIe siècle pour faire croire à la fiction. D'autre part, on pourrait penser que l'ensemble renvoie à une ancienne Perse, à cause de la monnaie utilisée, par exemple, mais surtout à cause de la religion, avec les temples, les prêtres, les dieux multiples. Mais Montesquieu se réfère aussi à l'islam en privilégiant le cadre du sérail, lieu stratégique qui excite les rivalités et qui peut, comme dans Bajazé et dans les lettres persanes, on en a parlé tout à l'heure, être contemporain du lecteur. Enfin, le monde des montagnes, avec ses bêtes sauvages, qui fait penser à la fuite de Desgrieux aussi, mais pour Manon et Desgrieux, les bêtes sauvages ne sont qu'imaginées. Ou bien le cadre idyllique de la campagne de Margiane, qui s'inspire du Télémaque, situe les personnages dans un univers fictif reconnaissable. Donc de l'exotisme, Montesquieu ne retient que quelques éléments nécessaires au dépaysement et à la réflexion morale. Que faire du merveilleux alors dans la vie de ces personnages? Il intervient quand Arzas s'interroge sur les raisons de sa richesse lors de son exil en Margiane
Et Aspar évoque alors ces génies puissants qui s'attachent aux hommes et leur font de grands biens. Et c'est la première citation que vous avez dans l'exemplier. Mais le héros avoue, je n'aime guère à dire des choses merveilleuses. Je vous dis ce que je suis forcé de croire et non pas ce qu'il faut que vous croyez. Cet échange étant donné comme une digression, ce qui encore crée une distance. Ce prétendu génie revient dans le récit avec l'épisode de la bague dans le poisson, motif de conte s'il en est, comme si l'être merveilleux avait suivi les héros en Hyrcanie et joué à mesurer sa générosité. Mais une fois le récit d'Arzas terminé, Montesquieu révèle très vite au lecteur qu'Aspar était le génie. Et dans cette fiction, il n'y a finalement pas de place pour une créature surnaturelle, même si les lecteurs du temps aimaient à s'en divertir. Alors, on leur donne un peu le divertissement et en même temps, on le leur rôtit aux lecteurs. Deuxième point, donc, les scènes et les rôles de ces personnages. Ces personnages présentés avec une économie de moyens sont destinés à vivre des scènes multiples dans un ouvrage qui comporte beaucoup de péripéties par rapport à sa longueur. Ces péripéties ont pour caractéristique de se ressembler, y compris d'ailleurs dans le renversement des rôles. On relève donc plusieurs combats d'Arzas, on verra plusieurs actions semblables d'Ardazir, en Médie, en Margiane, etc. Et ce n'est pas une facilité pour l'auteur qui manipulerait des marionnettes. Ce dispositif est calculé, et chez celui qui a, selon l'expression de Ben Rekassa, je cite, « un goût secret pour ce qui fait vaciller et déstabilise ».« Parle afin que je te voie », écrivait Scudéry, pour insister sur l'importance du discours. Le lecteur assiste à de grandes scènes amoureuses ou violentes. Trois ont été illustrées donc dès la fin du XVIIIe siècle, où des paroles sont échangées au discours direct, qui donne une forme de théâtralité au roman. Notamment avant la fuite, quand Ardazir veut se poignarder, puis quand Arzas est prisonnier aussi, durant les trois grandes scènes d'épreuve, avec un long dialogue quand l'héroïne se dévoile. On pourrait aussi trouver des exemples au moment où il tue le tyran, où il menace le jardinier. On assiste aussi à un long dialogue lors de la première mort d'Ardazir, qui s'est empoisonné. Et puis, ensuite, après la reconnaissance, la parole se fait publique et politique. C'est-à-dire qu'on va surtout avoir la parole d'Arzas, et Arzas qui s'adresse aux Bactriens, qui dialogue avec les rois, la parole des ambassadeurs, et un dialogue pour énoncer les principes de gouvernement. Et ce n'est que dans la partie non publiée en 1783 que Montesquieu revient à des scènes dialoguées pathétiques. Isménie va voir le roi de Médie, s'humilie à ses genoux. Et il y a une scène aussi entre la reine des Mèdes et sa fille. Et les derniers dialogues réunissent Arzas et Aspar au retour du corps d'Isménie. Donc, au-delà de la théâtralité de ces échanges, les personnages ont une intériorité qui s'exprime avec les, c'est le mot de Montesquieu, les pensées d'Arzas, avant qu'il aille chercher la gloire à la cour, ou avec l'indignation d'Isménie quand elle se croit trompée. Montesquieu avait aussi souligné, on en a parlé plusieurs fois, l'intérêt des lettres à propos des lettres persanes. Doit-on les tenir ici pour des ornements galants ? Elles renforcent en tout cas l'importance de l'amour. Montesquieu, qui avait lu l'Astrée, bien sûr, peut avoir pensé à Guirag, voire aux lettres du chevalier d'Air, qu'il a évoqué ailleurs. Et on compte deux lettres d'Ardazir Isménie dans le roman, où l'héroïne dit d'abord sa souffrance à celui qui l'a quitté, et aussi la lettre qu'elle écrit avant de mourir, qui peut rappeler celle de Roxane, même si les intentions sont très différentes, puisqu'elle se croit alors déshonorée et qu'elle garde des doutes sur la fidélité de son époux. La trajectoire des personnages ne répond pas vraiment non plus au code du genre. En effet, dans cette histoire d'amour, Montesquieu a choisi de ne pas conserver la scène de première vue qu'il avait d'abord imaginée chez une parente d'Arzas et ne mentionne pas non plus le mariage des deux héros avant leur fuite. C'est Aspar qui reconnaîtra avoir marié les deux amants. Il est plus habituel dans la fiction du temps d'user du secret, dont Montesquieu connaît tous les ressorts. Alors ce secret, on verra qu'il est cause de beaucoup de malentendus, de renversements, d'éclaircissements apportés sur les identités ou sur les intentions. Plusieurs épisodes sont aussi liés au port du voile et à l'interdiction de regarder les femmes. Alors il peut y avoir une signification bien sûr sociale et politique, mais c'est aussi un ressort romanesque. Et Isménie est d'abord voilée au début du récit dans ses fonctions officielles, puis pour que son amant ne la reconnaisse pas. Et puis, quand elle va avoir son prisonnier, elle va apparaître d'abord voilée. Et le déguisement
renforce ces jeux sur le voile, puisqu'il dissimule l'identité des personnages, aussi bien pour Ardazir, qui envoie un esclave à sa place quand elle fait enlever son amant, et surtout quand Arzas va être déshabillé et devoir revêtir une robe de femme. Et il va reprendre ce déguisement pour tuer un rival et choisir ensuite un vêtement d'esclave pour fuir. Donc, il y avait beaucoup de déguisements pour la dimension d'un roman qui est assez restreinte. Cette pratique ne va pas sans scrupule, puisque quand Arzas reprend le vêtement de femme, tout en expérimentant cette obéissance sous laquelle les femmes sont abattues dans les grands sérails d'Orient, il pense ensuite qu'à travers, vous l'avez, je pense, dans l'exemplier, à travers ce déguisement, l'aveugle amour avait auparavant avili son sexe. La poétique du roman et du conte exigeait une conclusion et préférait les dénouements heureux, ce qui aurait pu correspondre d'ailleurs à la version publiée par le fils de Montesquieu, où le roi d'Hyrcanie déclare « Laissons jouir le roi et la reine de Bactriane du bonheur de s'aimer ». Mais la mort des deux héros par suicide transgresse les exigences morales du temps, comme dans les lettres persanes, et on a même pensé que c'était une des raisons de ne pas publier le roman. L'acte, qui renvoie la légende de Pyram et Thisbé, entre autres, reste tragique et spectaculaire. Mais avant de se donner la mort, Arzas épouse celle qu'il avait déjà consenti à épouser au début, avant sa fuite. Ce mariage étant devenu une nécessité. Alors il y a une sorte de détournement du mariage qui sert de clôture d'habitude pour les romans. Et dans la dernière scène, le personnage a les accents d'un héros de tragédie racinienne. J'en reverrai aux travaux de Catherine Ramond sur ce point. Et en disant « Je meurs, comme est morte Isménie ». Doit-on y voir un effet de la fatalité ou du destin ? Arzas se réfère peu à ce destin, à la différence d'ailleurs de la princesse des Mèdes. Mais dans mes pensées, il avait noté, vous l'avez dans l'exemplier, dans les romans d'Orient, vous voyez les hommes incessamment conduits par cette fatalité aveugle et ce destin rigide. Ce dénouement tragique n'est possible que parce que les personnages ont vécu des passions fortes. La fiction étant bien la science du cœur, peut-être plus que les péripéties, pour reprendre le raisonnement de Fontenelle. Et les passions étant destinées à créer le lien avec le lecteur qui assiste au pathétique spectacle des larmes dans un temps, et ça pourrait rejoindre ce que Florence Bagnot suggérait hier, dans un temps où la physiologie est mieux prise en compte, et donc les sens et tout ce qui est du domaine de la sensation physique. Alors, je ne reviendrai pas sur toutes ces marques, je n'ai pas les citées, de tristesse, qui peuvent aller même jusqu'aux douces larmes. Et bien sûr, c'est au retour du corps d'Isménie, qui rappelle l'importance du deuil chez Prévost, d'ailleurs, que les larmes se transforment en sanglots et en cris avant que le héros comprenne que son rival lui a, je cite, « envié jusqu'à la douceur de verser des larmes ». Outre la douleur, ce sont la jalousie, dont on a aussi beaucoup parlé, puisque Montesquieu a laissé des pensées à ce sujet, et la vengeance qui détermine la conduite des personnages du roman, en particulier celle d'Isménie. Et quand son amant lui dit « Ardazir, je vous perds », elle garde le silence dans une indignation mêlée de désespoir, mais nourrie par la jalousie. Et d'ailleurs, Montesquieu écrit à ce moment-là, parce qu'elle croit Arzas coupable, « L'amour voit tout ce qu'il craint ». Quand elle croit que la princesse aime Arzas, elle envoie un esclave espion, aussi, on parle d'espion, et fait tout pour que le héros avoue son amour. Ensuite, la fureur et la vengeance vont être le propre d'Arzas, puisqu'il va tuer le tyran qu'il considère comme son rival. Et bien qu'il sache, que je cite Montesquieu, « l'espoir de la vengeance flatte plus que la vengeance même ». Car c'est l'amour-passion qui reste à l'origine de la conduite des deux personnages principaux. Cet amour étant confronté aux besoins de gloire et la tyrannie politique. Son ambivalence est notée dès l'ouverture du récit d'Arzas. C'est pourtant sous forme de déclaration d'amour que le roi énoncera les premiers principes moraux qui vont guider sa conduite de souverain. Il croit alors bien faire pour plaire à Isménie, et sa vertu, elle lui vient de l'amour qu'il a éprouvé pour Isménie. Dès le début de son histoire, pendant sa fuite avec Ardazir, il a cédé aux passions et aux remords, je cite, « ne sachant s'il suivait le devoir ou l'amour qui le fait oublier ». Cet amour ne saurait exister sans transgression, comme le constate Ardazir, je la cite, « on ne le connaît guère
Si l'on ne met ses caprices au nombre de ses plus grands plaisirs, et c'est pourquoi Montesquieu souligne, vous l'avez dans l'exemplier, l'intérêt d'un amour apaisé et la différence qu'il y a entre les beautés et les grâces dans cette expérience de l'amour, entre le fait de sentir et celui de connaître. Les personnages font en effet l'expérience d'un amour aussi sensuel que celui du temple de Cnide. Dans la première grande scène, quand Arsace embrasse Ardazir, il décrit ses sensations comme un étrange effet de l'amour, parce que son cœur s'échauffait et que son âme devenait petit à petit, après, tranquille. Mais c'est surtout après l'enlèvement d'Arsace, placé dans une sorte de sérail, que les scènes deviennent érotiques, puisque la feinte princesse défaisait mes cheveux pour les arranger. Prévost écrira aussi dans Manon Lescaut, ajoutera une scène où Manon fait le même geste. Et le décor renvoie au roman du libertinage avec le sofa de pourpre, les parfums, le lit fermé par des guirlandes de fleurs. Alors c'est là, comme je n'ai pas eu le temps de faire de PowerPoint, que la gravure de 1795, reprise dans l'édition de la fin du 19e, utilise les guirlandes de Le Barbier, le dessin de Le Barbier, et il a ajouté effectivement des choses qui ne sont des détails qui ne sont pas chez Montesquieu. C'est la table orientale, alors les parfums ils viennent d'une autre scène. Et il a un peu resserré aussi des épisodes qui ne sont pas forcément dans cette scène précise, puisqu'il y a tout de même une indication pour s'y référer. Et c'est dans cette scène donc que il va, il y a ce baiser qui enflamme ses sens et qu'Arsace va avoir l'idée d'Ardazir, mais qui lui paraissait comme un songe. J'allais la préférer à elle-même. Cette tentation interrompue donne lieu à une longue explication où l'homme essaie de justifier son infidélité. Sans doute l'auteur veut-il montrer les contradictions de l'amour en rappelant précisément ce que Jean-François Perrin a nommé le fantasme de suppléance à propos de Crébillon, à propos de Néa Darnay et de Mellecourt notamment, qui font l'amour avec l'idée ou le rêve d'une autre partenaire ou d'un autre partenaire. Le but reste de mettre en valeur un amour vécu loin des passions tristes, hein, que sont l'avidité, le désir de gloire, etc. Et le bonheur idéal, qui est un grand sujet du siècle, alors on pourrait aller de Fontenelle à Maupertuis, dans l'environnement de Montesquieu, est trouvé d'abord en Margiane, où Arsace paraît enchanté dans une sorte d'utopie égalitaire, où le concept de bienveillance supplante la grandeur. Mais quand Arsace monte sur le trône de Bactriane, il semble qu'il puisse concilier bonheur et vie à la cour. De narrateur d'une histoire d'amour, le personnage est devenu source de préceptes formulés dans un style plus sentencieux. Il incarne alors les valeurs du gouvernement et les devoirs des rois. Mais le lien entre l'amour et la politique provoque finalement la mort d'Isménie, puisque le roi des Mèdes veut une négociation des ambassades pour la renvoyer chez son époux. Et Arsace n'a plus qu'à assumer ses responsabilités. Sa conduite tend alors à dissocier son rôle de souverain et son personnage d'amoureux, qui rejoint Isménie dans la mort, ce qui rend la validité du modèle de gouvernement fort problématique. On a parlé tout à l'heure de certains de ces renversements. Donc, dernier point, quelle idée de la fiction, c'est un peu plus court. En concevant ces personnages, Montesquieu s'est préoccupé de l'immersion fictionnelle de ses lecteurs, comme le prouve la lettre à l'abbé de Guasco de 1754, je cite, « Le triomphe de l'amour conjugal de l'Orient est peut-être trop éloigné de nos mœurs pour croire qu'il serait bien reçu en France. » Il savait que pour apprécier son roman, il fallait entrer dans le jeu de la réflexivité, à la manière du lecteur malin de Le Sage, Gil Blas, ou de son lecteur ingénieux dans le texte qu'il avait prévu pour l'histoire véritable. Cela d'autant plus que rien n'est stable dans cette histoire, conçue comme un échiquier sur lequel on déplacerait les pièces. Plusieurs personnages sont doubles, sans parler des deux Isménies. Le roi d'Hyrcanie incarne deux faces du romanesque oriental, et presque tous les personnages, dont les rôles sont instables, sont soumis au renversement dont on a parlé aussi précédemment. Le lecteur doit avoir des doutes sur les projets, sur les choix des personnages. Des mystères entourent ces derniers. Qui est l'étranger pour Aspar ? D'où vient l'argent dont profitent les deux époux ? Isménie doit-elle se fier à ses soupçons ? Plusieurs personnages sont des manipulateurs, tel Aspar, qui semble parfois partager le pouvoir et de l'auteur, mais aussi Isménie et la reine d'Hyrcanie, qui sont aussi doubles d'une certaine manière. Nombreuses sont les erreurs commises aussi par les personnages. C'est un terme qui revient dans le texte.
Arzaz se montre souvent extérieur à lui-même. Il se trompe sur les effets de la vengeance. Et quand il part à la cour, il souligne son mauvais choix. Vous l'avez dans l'exemplier, j'avais quitté des plaisirs réels pour chercher des erreurs, chercher des erreurs. Il se trompe aussi en croyant qu'Ardazir est morte après avoir pris du poison. De son côté, Ardazir est jalouse à tort, ce qui provoque l'enlèvement pendant lequel Arzaz constate qu'elle cherchait à jouir de son erreur, encore l'erreur, dans un espace qui provoque la curiosité de celui qui est manipulé. Isménie commet une erreur aussi en se déshonorant par amour, puis par jalousie, et en se laissant tromper par la reine de Médie. Cependant, Montesquieu souligne en moraliste qu'on ne saurait cacher longtemps ce qu'on est, et vous l'avez dans l'exemplier, que la plupart des hommes ont une enveloppe, mais qu'elle tient et sert si peu qu'il est très difficile que quelques côtés ne viennent pas à se découvrir. C'est quand même appeler le lecteur à avoir une sorte de lucidité, de recul par rapport à ces personnages qui lui sont présentés. Au-delà de cette place accordée au secret et à l'erreur qui sollicite la réflexion du lecteur, le roman, par son hybridité, interroge aussi sur celui qui le découvre. Entre 1942 et 1954, le genre sort d'une crise qui a favorisé son essor parallèlement à celui du conte. Le débat entre l'anglais Dufresnoy et le jésuite Bougeant a mis en lumière les caractéristiques de la romancie. Et si j'ai signalé dans mes analyses des ressemblances, c'est pour suggérer l'importance de l'intertextualité dans la lecture, je dis bien, autant que dans la création, d'Arzaz et Isménie. Les personnages semblent venir du roman grec, de l'Astrée, de la Calprenède, de Madeleine de Scudéry, de Madame de Lafayette et Segré, Saint-Isaïe, de Télémaque, des Mille et une Nuits. On pourrait évidemment faire une longue énumération en se rapprochant de l'époque contemporaine avec Crébillon fils, Prévost, à propos duquel on a souvent cité le jugement sur Manon Lescaut. On n'a que ça, mais je pense que c'est très limité par rapport à la lecture que Montesquieu avait pu faire de Prévost. Il y a un plaisir à reconnaître les traits qui relient les personnages à d'autres, ce qui n'a rien à voir avec une plate imitation. On sait que Montesquieu n'aimait pas qu'on traitât les écrivains de plagiaires. Dans mes pensées, il y a une phrase à ce propos. On doit rendre aux auteurs qui nous ont paru originaux dans plusieurs endroits de leurs ouvrages cette justice qui ne se sont pas abaissés jusqu'à descendre à la qualité de copistes. L'intertextualité fait pour lui partie du processus de création de la fiction. Ces personnages ne trouvent leur sens que dans le jeu des reflets. Il n'a pas de mépris pour le roman, et son intention n'est pas d'abord parodique. Pas d'abord, je dis bien, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas à certains moments. Dans Arzaz et Isménie, la chaîne secrète est celle qu'il évoque à propos des lettres persanes, mais aussi celle qui associe dans l'histoire orientale des formes d'inspiration très diverses. Le lecteur doit aller au-delà du plaisir et regarder les personnages d'Arzaz et Isménie dans l'adhésion et la distance, comme Jean-Marie Schaeffer l'a analysé. En son temps, Marmontel avait du reste montré que l'illusion n'avait pas besoin d'être complète dans une fiction. Je cite, vous l'avez dans l'exemplier, cette phrase, « Quelle est cependant cette demi-illusion, cette erreur continue et sans cesse mêlée d'une réflexion qui la dément ?» Cette façon d'être trompé et de ne l'être pas. C'était plutôt à propos du théâtre que Marmontel le disait, mais je pense qu'on peut l'appliquer aussi à la fiction romanesque. Donc, en conclusion, on s'interrogeait déjà au XVIIe siècle sur l'intérêt et la vraisemblance des personnages de persans ou de cites dans la fiction, tout en écrivant, comme Segré, des nouvelles qui se déroulaient dans l'Orient turc. On pouvait avoir un dialogue dans les nouvelles françaises à propos de ces personnages persans et scythes et en même temps avoir une nouvelle orientale. Le contexte a bien évolué au temps de Montesquieu et Jean-Jacques Bell a pu voir dans le premier état d'Arzaz et Isménie, je cite, une histoire amoureuse vive et intéressante. Dans cette période qui a engagé une réflexion critique sur la prose narrative et qui pratique l'intergénéricité, les sources de Montesquieu ne sont pas toutes orientales. Mais l'intérêt de ces personnages est d'incarner des lieux communs associés à la violence et à la volupté pour interroger les valeurs qui sont analysées dans l'esprit des lois. Jean Starobinski, dont les analyses sont fort éclairantes, à mon avis, a quand même quelque peu dévalué ce roman en l'assimilant au monde des Indes galantes, même si je sais bien qu'il y a l'entrée des fleurs dans les Indes galantes avec le double déguisement des personnages. Mais il est vrai que l'esthétique de l'auteur rejoint les principes énoncés dans l'essai sur le goût à propos des plaisirs de la surprise. Montesquieu exprime agréablement ce qu'il pense de la morale et de la politique en usant de la fiction comme d'autres l'ont fait de la fable.
Il admirait Fontenelle et sans doute aurait-il pu souscrire, on a parlé des dialogues tout à l'heure, à cette réflexion prêtée à Homère dans Les Nouveaux Dialogues des Morts. Ainsi, le vrai a besoin d'emprunter la figure du faux pour être agréablement reçu dans l'esprit humain. Mais le faux y entre bien sous sa propre figure, car c'est le lieu de sa naissance et sa demeure ordinaire, et le vrai y est étranger. Le secret de la fiction d'Arsace et Isménie réside dans cette alliance du vrai et du faux. La fiction permet aux idées d'être vécues avant d'être formulées, et le parcours d'Arsace rend son mode de gouvernement à la fois proche et lointain, selon l'angle sous lequel on le regarde. Je vous remercie.